Voilà bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de Trading Live. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 février 2019. Je vous propose une nouvelle session de trading en ma compagnie. Bon, dans une séance où il n'y aura pas de grandes statistiques majeures, et eh bien nous allons pouvoir euh, voir ce qu'il ce qu est possible de faire. Aujourd'hui, donc merci de m'indiquer que tout fonctionne correctement tant au niveau du son que de l'image. Le temps de poster quelques messages sur les réseaux sociaux et nous allons commencer dans quelques secondes. Merci pour votre patience. Allez, c'est parti. Bonjour à tous donc. Bonjour Xavier, Cédric, Mario. Lucius Loïc, est-ce que tout fonctionne pour vous au niveau surtout du son parce que l'image je la vois mais le son du coup je n'entends pas. Bonjour, c'est le top. ça y est, j'ai compris. J'avais retiré des j'avais retiré des historiques du DAX ce matin, mais comme c'était pas sur le même compte et que les comptes ne sont pas sur le même serveur, les archives ont été remises. Voilà. Ouais, c'est mieux. Allez, bonjour à tous. Bon, parfait. Allez, bienvenue, donc nouvelle session de trading live. Et puis bah, bah, je voulais commencer d'ailleurs cette, cette session par un petit remerciement. Euh, déjà pour tous ceux qui, qui suivent régulièrement ce, ce live, hein, parce qu'en fait, euh, quasiment tout le monde, quasiment tous ceux qui me suivaient sur la chaîne précédente, et eh bien, euh, suivent désormais ces lives sur cette, euh, sur cette chaîne. Donc merci pour votre fidélité. Et puis pour tous les pour tous les commentaires que vous pouvez laisser ou que vous pouvez m'envoyer voilà, c'est toujours, toujours sympa et puis bah, il y en a qui me demandaient comment, comment un petit peu pouvoir plus participer qu'avec un like il y a une chose qui est très simple et qui est à la base du, du fonctionnement d'internet c'est que tout simplement vous partagez ce qui vous plaît auprès de vos, vos cercles d'amis et ça permettra ça permettra à la chaîne et donc à ces vidéos d'être D'être partagé et d'être vu par plus de monde. Voilà, ce qui, euh, ce qui augmentera l'intérêt de, de, de ces trading live qui sont avant tout basés sur l'échange. Donc, plus on aura d'échanges et plus on aura d'avis différents, plus euh, ceux-ci deviendront riches pour tout le monde et aideront donc à, à progresser. Voilà. Euh, pour cette petite aparté donc on va tout de suite passer en vue trading on n'a pas eu énormément de positions depuis, euh, depuis vendredi dernier on a des mouvements hein, qui, qui se mettent en place je parle voudrais je parler notamment de la relation que l'on a ici entre le l'usD CAD et euh, et le wTI. On sait que le dollar canadien et, euh, et le WTI sont liés et on le voit ici, hein. c'est-à-dire qu'on a un, un CAD ici qui, qui baisse fortement en même temps que le WTI. Voilà. Donc euh, a priori c'est plus le WTI qui fait baisser le, le, le CAD puisqu'on voit ici que la baisse a commencé d'abord sur. Euh, alors attendez, ça se trouve ça s'est fait en même temps. Euh, hop. Là, c'est la bougie de 13h et là, c'est la bougie de 13h. Oui. Donc, en fait, c'est intervenu exactement en même temps. Et là, on a vraiment une matérialisation de la, de la corrélation qu'il y a justement entre le WTI ici et le, le dollar canadien. Je rappelle que quand l'USDCAD euh, monte fortement, euh, dans une phase où le dollar est. Vous voyez, il euh, y a une petite tendance haussière, mais il n'est pas non plus très très fort. Eh bien, c'est le dollar canadien ici qu'il faut euh, donc faut le réfléchir à l'inverse. Et donc là, on a une forte baisse hein, du dollar canadien et on voit que les bougies sont similaires. Hein, C'est-à-dire, on a des bougies de, c'est comme ça qu'on repère les corrélations. On a des bougies d'amplitude similaire ici, vous voyez. Et là, on est en train d'imprimer une, une bougie forte ici à la baisse sur le WTI et on la retrouve ici sur le, le dollar canadien. Donc là, on a une réelle corrélation. Hein. Donc ça c'est le mouvement un petit peu de, de la journée. Autrement, bah, le contexte c'est tout simplement, euh, je pense que ça n'a échappé personne, hein, le, le tweet de Donald Trump qui, qui donne un peu plus de temps euh, aux, aux négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis pour aboutir, ce qui donc va euh, risque de bah, ça, les, les, les marchés du coup euh, pensent que euh, toutes ces tensions vont, vont s'estomper au fur et à mesure et donc on peut reprendre, le, on peut reprendre ici une hausse, euh, une hausse graduelle. D'ailleurs même si on, si on reprend ici un graphe un peu plus euh, voilà un peu plus, un peu, un peu plus global, euh, la zone ici qui avait été cassée, euh, vous voyez ici cette zone de range -là, hein, que l'on a ici. On est en H4, donc on est sur une vue un peu plus moyen terme. Elle avait été cassée justement suite à, une, à des tensions commerciales qui étaient apparues entre les États-Unis et la Chine. À l'initiative de Donald Trump, bien entendu, qui, qui a voulu mettre un petit peu la pression sur la Chine pour, pour, pour rediscuter justement de ces accords. Et le fait que, alors que ces, 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 ces pressions justement eh bien, tentent à disparaître, le fait que l'on revienne ici à ces niveaux montre que finalement les fondements économiques entre cette zone-là et celle que nous connaissons actuellement n'ont finalement pas énormément changé. Et donc on a un juste retour des choses. C'est-à-dire qu'on avait eu une répercussion ici sur l'Europe. On verra que l'Europe a un peu plus de mal à remonter, mais on voit ici que tout est lié. Donc là, on a un retour qui semble assez logique malgré ici la forte dynamique haussière hein, que nous avons depuis quelques temps on a eu des signaux d'affaiblissement qui, qui sont en train de, de disparaître donc c'est un mouvement somme toute qui si on reprend les, les fondements économiques et eh bien sont, sont assez logiques en tout cas logique peut-être un bien gros mot mais en tout cas ils sont en partie au moins en partie explicables. voilà donc là on a on a cette remontée ici hein, sur l'Europe euh, après euh, voilà on a alors ça c'était assez intéressant d'ailleurs. Je vous ai montré cette vue hein, qu'on avait sur. Euh... Alors pourquoi ça me fait ça Voilà, hop. Ah. alors là j'ai un bug. Ok, bon, ça ne veut pas charger. Euh, on avait une fin de dynamique. Alors si on était de temps H4, moi pour moi on était sur une invalidation. Mais on voit qu'ici avec une cotation future, bah, on serait toujours ici à l'intérieur de ce biseau. Donc selon les tracés, selon, on a un peu plus de cotation ici, puisque l'invalidation dont je vous parlais à l'instant était plus sur le cash. Euh, donc là euh, on serait sur, euh, voilà, sur une fin de dynamique, mais comme je le disais donc sur une de mes vidéos euh, sur le cache, je le disais ce matin mais je le disais aussi en fin de semaine dernière, plus on va se rapprocher de la pointe, plus la probabilité que cette configuration soit invalidée est forte. Hein. Puisqu'en général, il faudrait que pour que la, la configuration soit forte, il aurait fallu que les cours sortent ici euh, avant le dernier tiers du biseau. Donc là, si on, si on coupe en trois, on a, environ, euh, voilà, on a environ un tiers là, un tiers là, un tiers là. Et en fait, il aurait fallu, le signal aurait été intéressant par exemple si on était sorti là. Là, oui, on aurait eu un, un objectif de retour ici. D'accord Mais là, pour l'instant, bah, euh, on voit qu'on qu continue et qu'on se rapproche ici de la pointe. Donc là, le, le, on est vraiment en train d'invalider ici cette possibilité de biseau avec donc cette éventuelle sortie. Alors, je vois que j'ai quelques... Bonjour, bonjour, bonjour. Roland. Attention au père en GBP, Theresa May est en train de faire une déclaration par rapport à des délais supplémentaires pour le Brexit. Oui, on s'y attendait, mais euh, il me semble d'ailleurs que le vote a déjà été reporté, non? Enfin moi c'est les, les infos que j'avais. Euh, tiens, j'affiche ton lien. Euh, Roland, merci de le partager. Bonjour Bonbled. <laughs> bon bled Paris. <laughs> J'aime bien, bien ce pseudo. Euh, alors Tamil nous demande quel type de moyenne mobile en couleur bleue. Donc c'est une moyenne mobile euh, 50 arithmétiques. Bon, je ne vais pas intervenir en anglais directement parce que sinon bon, j'ai un accent à couper au couteau. C'est un peu le problème. J'ai du mal à le comprendre, mais à l'écrire c'est encore pire. Enfin, non, j'ai du mal à le comprendre, mais à parler, c'est encore pire. Je préfère encore l'écrire. <coughs> voilà, donc là la configuration du CAC, tant qu'on est ici entre ces deux. Euh, entre ces deux, euh, ces deux zones. On peut considérer qu'on est encore dans cette configuration, mais là, plus on va se rapprocher de la pointe et plus euh, on a des chances d'avoir une invalidation. Je ne sais pas pour les votes s'ils sont juste reportés. Alors, je sais que normalement, euh, normalement, on devait voter mercredi, c'est ça. Et ce matin, sur les chaînes info, ils disaient déjà que Theresa May, alors soit était en train, soit, euh, soit c'était déjà fait de faire en sorte que justement le vote soit reporté. Bonjour Serge. Voilà, donc là la configuration du CAC. Donc on voit par contre que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on a inscrit un nouveau point haut significatif. On, a fait ici, on avait ici une zone de résistance. Voilà. Cette zone de résistance hein, qui avait, euh, qui, qui, qui avait euh, qui inter... s'était <coughs> interposée ici euh, par rapport à une, une poursuite de hausse à 5218 points. Cette zone qui était résistance vendredi, on la retrouve ici comme support hein, sur la séance du jour. Donc ça c'est aussi un bon signe. On a eu dans un premier temps, donc par rapport à la, à la configuration qui était légèrement euh, qui était neutre, voire légèrement baissière hein, euh, vendredi, on a eu donc un retour ici, on a eu impulsion ici, bol supérieur. Vous voyez comment on vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et comment on rebondit ici hein, sur cette phase. Donc là clairement, vous voyez par rapport au type de signaux que l'on joue euh, sur, euh, sur les lives, euh, là clairement si on venait chercher ici un autre contact bol supérieur, eh bien euh, clairement on est sur, euh, sur un échec hein, puisqu'on est revenu sur la moyenne et qu'il semblerait que l'on repasse en dessous maintenant. Donc là typiquement comme je vous le dis souvent hein, sur les lives, quand on prend ici l'impulsion... En fonction de la dynamique, soit on attend un retour au bol supérieur, soit si on voit que ça traîne un peu, ben la zone que l'on a ici, euh, donc de précédent point haut, on peut s'en servir comme take profit. Donc là en fait on s'imagine que on peut ici prendre l'impulsion, on attend le rebond, puis là on voit que ça n'est pas, euh, pas très dynamique. Donc, si on a un peu de nez, on peut sortir, bon, par exemple, sur, sur ces bougies ici, sur cette zone de point haut, hein, qui, est, qui est identique à celle-là. Ou alors, si on attend un petit peu, ici, on, on essaye d'améliorer un peu, et puis on peut sortir là. Mais quand on voit que ce n'est pas direct, c'est-à-dire qu'on a ici le mouvement de dynamique là. Hein, on a le mouvement de dynamique ici, et qu'ensuite on voit que ça, ça temporise comme ça, en général, il vaut mieux chercher le, la zone de point haut qu'on a là. On est vraiment sur, euh, sur la lecture de dynamique. Hein. Donc c'est euh, voilà, vraiment ça c'est vraiment ça qu'il faut chercher et on voit d'ailleurs que le point haut du matin on, on ne l'a plus jamais atteint. Et là on est vraiment sur une phase de neutralisation. Donc ça ce sont des choses, ce sont des concepts qu'il qu faut garder en mémoire. Il faut essayer d'avoir euh, une lecture quand même de la dynamique, d'essayer de, 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 de savoir d'essayer de comprendre ce qui se passe un petit peu dans la tête des investisseurs. Et vraiment euh, ne pas s'accrocher à une idée préconçue dans le sens où là on vient chercher le point d'entrée, on attend une dynamique. Si les choses commencent à ne pas se passer comme on l'attend, eh bien on, il faut pas hésiter des fois à changer son, à changer son, comment dire, son scénario quoi, son scénario de sortie. Hein. Là on, là, on prend le signal en attendant ici une poursuite de la dynamique. Si on voit qu'on a la dynamique là et puis qu'après ça se stabilise, c'est qu'on n'est plus du tout sur le même flux. Hein. Donc il faut qu'on qu cherche à sortir. Donc là, vous voyez, on avait le temps. Hein. Ça ne sert à rien d'aller dans la précipitation. Là, on est en bougie de 15 minutes. Donc chaque bougie fait 15 minutes. Ici, on a l'impulsion. Ici, ici, on voit que ça se stabilise. Donc là, il se passe une heure. Là, on a une impulsion, ça redescend. Une autre impulsion, ça redescend. Bon, au bout d'un moment, il faut sortir. Hein. Là, typiquement, quand on voit que là, il n'y a pas contact et qu'on commence ici à redescendre, si on n'est pas sorti, il faut sortir sur cette, sur cette bougie-là, sur les niveaux de point haut, et puis basta, on attend autre chose. Hein. Même si on n'arrive pas à sortir sur un point haut. Allez, euh, donc bonjour Roland. Ah, bonjour Denis. Enchanté de vous revoir ici. Bonjour Sarah, pareil. Ça faisait longtemps. Euh, bonjour Yves et Davis. Alors Davis, où est-ce qu'on a mis saint lots aujourd'hui <laughs> Ok, donc voilà pour le CAC. Euh, donc nouveau plus haut significatif, donc on a une dynamique qui, euh, qui reste haussière. On va surveiller quand même l'évolution à l'intérieur de ce, de ce biseau. Ensuite le DAX, euh, qui est un petit peu en sous-performance, alors on le voit mieux. Voilà, on le voit mieux ici sur cette vue. On voit ici qu'on a, euh, qu a une dynamique qui est, qui est, qui est bien haussière là. Mais on voit par contre que. Alors ça se voyait plus ce matin. Ce matin jusque-là, on voyait clairement ici, si on traçait une régression linéaire hein, sur la partie de la matinée, on voyait cette, cette, euh, cette euh, progression. Alors que sur le CAC, on était plus sur quelque chose de, de positif. Donc on avait une surperformance. Et on le voit d'ailleurs sur euh, on le voit d'ailleurs sur le graphe, on, voilà, on était sur cette partie-là et on voit que ça s'est retourné d'un seul coup d'ailleurs. Alors l'amplitude ne justifiait pas une prise de position long-short, mais on le voit ici hein, sur cette phase-là. Alors après si on si on grandit un petit peu pour voir où c'est fait. Pourquoi j'ai ça moi euh... Ouais voilà, hein. c'est-à-dire que là, tant qu'on était sur la phase de hausse ici, ouais bah après je suis parti manger, donc c'est pour ça. Euh, mais après, là, on paf, on a eu un retournement et on voit que la dynamique ici s'est re se retournée d'une manière très rapide. Hein. Mais sinon, sur toute la première partie euh, de, la, de la séance, on avait vraiment euh, quelque chose d'assez euh, dynamique. Ok. Donc là, on reste hein, sur, euh, sur, voilà, sur un DAX, on le voit là sur ces bougies, où on voit là, là, là où on avait une, une hausse hein, ce matin. Là, on voit qu'ici, sur cette partie-là, on est vraiment là, alors qu'ici, on est là. Hein. Donc là, la corrélation, elle a changé, et ça a bien été détecté ici par ce, cet indicateur de corrélation. C'est très très net. On va voir ce que ça donne par la suite, mais là, pour l'instant, il n'y a pas assez d'amplitude pour que ce soit réellement exploitable. Voilà. Donc un DAX qui suit la hausse, hein, on est sur, euh, sur un dépassement ici de la zone des 11 500 points. Euh, techniquement c'est assez intéressant parce que euh, on est là aussi sur un retour. Hein. Euh, alors ouais, c'est vrai que du coup. Hop, voilà. Euh, là on avait donc la, la, la même phase hein, que le, le CAC avec ici donc, la phase de, de, de stabilisation. Et une baisse ici. Ah mais non on a une coupure là dans le Juin, juillet, août, je suis en quoi H4 Ah non c'est bon, euh, oui d'accord donc il faut que je me remette à la bonne échelle. Voilà on avait donc cette phase ici de temporisation, on a eu la phase de baisse, le point bas ici du, du, du mois de décembre et une remontée hein, qui nous ramène ici dans ce, dans ce petit range. Là aussi on voit bien la rupture hein, que l'on avait eu dans la tendance qui avait accéléré ici le mouvement baissier le point bas qui avait été venu chercher, et puis que le, la, la remontée. Et vous voyez qu'au niveau du DAX, la remontée par rapport au mois d'octobre-novembre, on est au-dessus. Hein. Alors certes, on a eu une phase de sous-performance, mais on était descendu moins vite aussi. Si je compare avec le CAC ici. Voilà. Donc on a ici... Ah non, c'est la même. Non, en fait, c'est la zone antérieure. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc oui, donc on a bien une, euh, ouais, une sous-performance notoire quand même du DAX, depuis cette phase ici. Puisque sur le DAX, voilà, on est encore sur la partie supérieure, alors que sur le CAC, on l'a reprise. C'est la zone antérieure que je, que je comparais tout à l'heure. Effectivement, si on prend la zone antérieure, oui, on est encore loin de la zone de point bas ici qu'on avait sur ce range. Donc on est bien en sous-performance. Sous-performance notoire du DAX par rapport au CAC. Alors, ça s'explique. Hein. Le DAX qui est beaucoup plus exposé euh, à des tensions éventuelles. Euh, au niveau du commerce international, parce que le, le, les entreprises allemandes, enfin non, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir, les, les sociétés qui composent le DAX, il y a beaucoup plus de sociétés exportatrices en Allemagne dans les, dans les actions que compose le, le DAX que les titres qui composent le CAC. Donc le fait qu'il y, qu y ait justement un plus fort, une plus forte exposition à des risques qui concernent l'exportation. Eh bien, euh, les, les entreprises allemandes donc, qui composent le DAX ont été plus touchées que les entreprises françaises. Donc voilà pourquoi on a cette sous-performance. C'est une partie des choses qui expliquent. Bonjour Thomas. Voilà, donc au niveau du DAX, on est quand même sur une poursuite ici de la dynamique. Avec, euh, avec donc cette, euh, cette cassure de point haut. Alors cette cassure de point haut, elle est intéressante depuis la semaine dernière. Là, cassure des 11 384 100. On le voit ici, hein, cette zone de point haut. Parce que précédemment, on partait un petit peu à la baisse. Et le fait d'être reparti ici à la hausse et d'avoir validé ce niveau la semaine dernière en tant que support est techniquement très intéressant sur l'évolution du DAX. On le voit, hein, on a eu le, le, le changement typique. Hein, regardez le, le setup que l'on utilise pendant ces lives. Comme je vous le dis, hein, ça marche souvent en M15 ou souvent en H4. Ici, on a la, la phase ici de retournement. On vient toucher la bolle ici inférieure, et puis on repart ici à la hausse. Donc, on invalide la baisse. On, part, on marque ici un contact sur la bolle supérieure, nouveau point haut significatif. Et là, le retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle nous donne un très bon point d'entrée pour jouer la poursuite de la dynamique. Hein. Vous voyez, c'est vraiment le, quasiment le meilleur point d'entrée qu'on puisse avoir après le retournement. Voilà, donc ça c'est, euh, vous voyez que ce setup, il, fonctionne, euh, il ne fonctionne pas que pendant les trading live. Hein. C'est quelque chose que l'on retrouve quand même très souvent. Donc c'est un setup qui est très basique, qui est accessible aux débutants. Euh, c'est un, il faut le voir comme un, comment dire, comme une base de départ. Okay, on peut, ne on peut pas utiliser que ça comme type de stratégie, mais c'est vraiment une base de départ qui vous fait comprendre que on prend une, on prend une, une position dans la tendance, mais on essaye d'acheter un repli ici d'une tendance haussière, ou on essaye de vendre eh bien, un rebond d'une tendance baissière. C'est comme ça que l'on a le meilleur potentiel. Donc là vous voyez ce setup il fonctionne très bien ici pour cette phase de tendance. Et en 15 on le retrouve aussi. Bon là par exemple c'est invalidé. Hein. Mais il n'y a pas de signal baissier par contre. Alors on va faire un tour maintenant sur l'évolution des indices américains. Alors on n'a pas de statistiques majeures cet après-midi à 14h30 notamment. Euh, la seule chose qu'on avait c'était... Euh, C'était ce matin, on avait un discours donc euh, du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Cet après-midi, on n'a rien du tout. On aura juste, le, on aura juste le, 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 marché donc américain qui va ouvrir à 15h30 après justement les tweets de Donald Trump. Donc on va voir un petit peu comment, euh, comment euh, les indices réagissent. On en, a une petite, on en a un petit aperçu ici avec notamment les. Euh, comment dire, les, les, les futurs US qui, qui sont bien orientés à la hausse. Hein. C'est là-dessus que j'allais euh, voilà j'allais revenir. On voit ici l'ouverture de, de la nuit. Donc il s'ouvre ici sur un gap haussier. On est revenu ici chercher le gap et on a repris la hausse. Hein. Donc ça c'est le futur. Hein. Je rappelle que le, le, le futur US, euh, il débute à, à 0h. Hein. On voit ici là, sur, cette, euh, voilà, sur cette petite infobule. Donc à 0h, on a première bougie ici de la cotation future. Et dès ici l'ouverture d'hier soir, on a déjà détecté la hausse. Et donc là, on, on poursuit le mouvement, puisque par rapport au plus haut qui a été marqué ici sur le futur, on a un nouveau plus haut sur ce futur. Donc là, on est vraiment sur un mouvement haussier qui est fort. Et euh, bon je pense que je pense qu'on pourra avoir une accélération à 15h30. On va voir exactement si quelque chose se passe ou pas. Donc on le voit là sur le SP 500. Et on le voit aussi sur le Nasdaq, on a une configuration sensiblement équivalente. Avec ici donc une impulsion haussière donc dès l'ouverture dès du dimanche. On revient ici chercher la zone de gap. C'est même pas sûr d'ailleurs qu'elle était été totalement comblée. Ouais non, c'est pas sûr du tout, hein, regardez. Voilà, a priori le gap ici il est comblé. Cette zone ici elle avait déjà été résistance, on le voit là. Voilà, sur cette zone-là, vous voyez. Là si je trace le trait ici... On avait résistance, résistance là, résistance là, qui est validée comme support. Donc techniquement, c'est très propre. Et donc là, ça, ça valide une possible poursuite du mouvement haussier pour aujourd'hui. Hein. Donc c'est vraiment un mouvement qui est, qui est général. Voilà, donc pour ça. Alors ensuite, on a les paires de devises. Alors on a, a l'euro dollar qui est, bien remonté, euh, qui est bien remonté ce matin. Euh, on a ici une zone, un hein, 13. Euh, un 13,65 environ voilà un 13,66 qui, qui a capé un petit peu les cours, bon c'est une zone intermédiaire hein. euh, mais qui, qui a bien joué la semaine dernière on le voit, hein. on a une zone là on a une première zone là et on a la deuxième zone à peu près par là vous voyez cette zone là hein. qui a, qui a, on a tenté un débordement la semaine dernière puis on est revenu en dessous et là on l'a retesté encore donc on pourrait avoir techniquement là une cassure ici de cette de cette zone. Je vois que j'avais des tracés là. Non, ça... Ah oui, ça c'est une fourchette que vous m'aviez fait tracer ça. Je m'en rappelle. Euh, je me rappelle plus à l'initiative de qui on avait tracé ça. Ah bah donc là, la fourchette a été, elle était bien baissière. Hein, et on l'a cassé à la hausse. D'ailleurs c'est très très net. Hein. Je ne me rappelle plus quand est-ce qu'on avait tracé ça. Mais euh, vous voyez là, le... au niveau du tracé... On suit bien ici la partie haute de la fourchette. Puis ensuite on casse ici. Vous voyez comment on, on retrouve ici la zone de la fourchette ici comme support. Et ensuite on s'écarte et on commence à prendre du mouvement aussi. Alors je ne suis pas un grand spécialiste des fourchettes, mais pour moi je pense que c'est un je pense quand même que c'est un outil très intéressant. Donc là, l'euro dollar est en train de reprendre de, reprendre de la hausse. Alors, euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer Alors attendez, on va remettre ça en M15. Euh, le câble, on a eu un petit peu de mouvement cette nuit. Bon, je vais vous montrer. Euh, C'est assez volatile et euh, il y a eu un peu de slippage d'ailleurs. Euh, bon c'est assez stable, on attend une réaction hein, par rapport à un éventuel report du Brexit euh, à noter que qu'au le, le, niveau de, de l'Europe, hein, certains ont dit que le, le Brexit pouvait être reporté jusqu'en 2020 donc on est, euh, on est sur, encore sur une incertitude par rapport à ça moi vous connaissez mon, mon opinion, hein, je l'ai depuis depuis longtemps la première fois que j'en ai parlé, le peuple n'avait même pas voté je pense encore qu'on peut trouver une solution pour ne pas, euh, pour ne pas justement euh, se donner du temps quelque part, c'est se laisser la place à ce qu'il y ait un changement d'attitude. Hein. À un moment même on entendait que certains politiques voulaient faire revoter re le peuple. Euh, après, euh, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, le problème c'est que le peuple commence à penser que en fait, les politiques ne sont pas capables de mettre en œuvre euh, les choses pour lesquelles ils sont élus. Et ça, ça peut poser un problème. Hein. Ça peut poser un problème de défiance dans un environnement déjà où on voit qu'on a une montée du populisme. Si en plus les gens qui proposent des mesures populistes ne sont pas capables de les, euh, de les mettre en œuvre, euh, ça peut poser un gros problème. Hein. Déjà, il y a une défiance quand même de la classe politique qui est générale dans toute l'Europe, j'irais même dans le monde. Donc là, ça peut, euh, ça peut quand même poser problème pour la, pour la stabilité hein, en général. Bon, sur le dollarienne, on a ici un petit mouvement haussier, mais dans un... qui globalement ici reste dans une certaine neutralité. Le gbp c'est pareil. Hein. On a eu une ouverture avec... assez volatile, mais qui restait dans les mêmes niveaux que ce que nous avions vendredi. On a un petit peu plus de volatilité depuis ce matin, mais ce qui est dû notamment à toute l'incertitude qui entoure l'évolution le... le... du Brexit. Bon, là, il n'y a pas grand-chose exploitable, malheureusement. USD se trouve dans une... dans une phase de hausse. Donc, le dollar australien hein, qui est sur le suivi ici de la dynamique que nous avions déjà vendredi. Euh, on a eu un nouveau point haut significatif et puis on, on est venu ici chercher la, la, la poursuite. Euro-yen, tiens, on aura peut-être un petit. On va surveiller parce que l'euro-yen, on peut avoir une cassure majeure là. La zone des 125,90 ici. Qui, si elle était cassée, euh, pourrait nous donner un signal intéressant. Parce que là, on est sur, euh, sur une zone qui est majeure. Hein. Voilà, donc là on ne le voit pas trop, mais vous euh, voyez par rapport à cette baisse ici et cette stabilisation, si on casse ici cette zone, vous voyez qu'on avait ici cette zone de support et on pourra avoir un signal de retournement. Ouais, avec ce fameux euh, euh, flash crack ici du, du yen qui avait, euh, qui avait fait paniquer pas mal de monde. Et donc ça c'est bon. Ensuite, USD-CAD. Ah, on a un signal intéressant. Là, si on a un retour sur un moyen mobile 20 exponentielle on pourra éventuellement euh, prendre position dessus. Parce que là, le, le signal est intéressant. On vient ici d'une phase de baisse. On a ici une impulsion haussière. Donc hors de question que l'on se place tout de suite. Il n'y a pas encore assez de dynamique pour que l'on se dise tiens, allez, on va, on va se placer dessus. Mais... Euh... On va le surveiller quand même. Je vais le grossir un petit peu. Voilà. Et donc sur le WTI, alors j'ai vu quelqu'un. Vous avez vu le pétrole, apparemment, c'est suite à un tweet de Trump sur l'OPEP. Trump, il y a une heure sur l'OPEP. Please relax and take it easy. not take. Ouais. Ouais, la gouvernance à la, tweet, à la Twitter, c'est. Donc, c'est bien un petit peu ce qu'on pensait tout à l'heure, hein, quand je vous présentais un petit peu la. la, Comment dire hein, La configuration et la, 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 la relation que l'on avait entre le WTI et le dollar canadien. C'est bien le, la baisse du pétrole qui provoque une baisse du dollar canadien, hein, puisque une des ressources du Canada c'est l'extraction du pétrole. Donc en fait, s'il y a une forte baisse, ben fortement ça impacte le dollar canadien. C'est ça la relation qui existe hein, entre la, la monnaie et le, la matière première. Bonjour Laurent. Oui, effectivement, la réaction a été immédiate sur le pétrole. C'est ce que cherche Donald Trump, hein, tout simplement. Et donc l'or, on a eu ici un petit mouvement euh, baissier qui a, été, euh, qui a été repris ici. On pourrait presque prendre ici un mouvement, euh, un mouvement de vente. Je vais peut-être le faire, mais bon, c'est très très volatile l'or. Les, les signaux de trading en tendance, ils marchent bien sur le forex et sur, le, et sur le, certains indices. Par contre, au niveau des matières premières, honnêtement, c'est vraiment une classe à part. C'est toujours une. On a chacun nos spécialités. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont spécialistes de, ces, de ce type de, de sous jacent mais moi, j'ai toujours eu un peu de mal sur les matières premières. cest -à, à chaque fois que je m'y suis frotté vraiment euh, d'une manière régulière, Jamais réussi à dégager une, une stratégie euh, durablement rentable. Là, honnêtement, ça me fait envie de, là, de le shorter là sur le retour de moyenne mobile. Mais euh, déjà, le problème qu'on a, c'est que si je... Là, on a un élément ici qui m'embête un peu. C'est que la moyenne mobile exponentielle, qui est la rouge, elle est au-dessus de la moyenne mobile verte. D'accord Et ça, c'est pas très bon quand on est sur un mouvement baissier. Ça montre qu'ici, hein, je vous en ai souvent parlé, quand on a ici un contact hors bol avec une moyenne mobile ici qui se trouve à l'opposé de la moyenne mobile arithmétique, en général ça, ça nous donne un retour assez rapide. Là vous voyez, on l'a. Hein. Là c'est à dire, on a l'impulsion avec donc la moyenne mobile exponentielle, donc impulsion baissière avec une moyenne mobile exponentielle qui est au-dessus de la moyenne mobile arithmétique, et la réaction elle est immédiate. Hein. C'est très souvent comme ça, regardez, on l'a eu là aussi. Hein. Là on a la moyenne mobile qui est en dessous, on a ici le contact bol supérieur et tout de suite hop, ça s'est retourné juste derrière. Tout ça pourquoi Ça, ça nous montre qu'on a ici un mouvement sur euh, un extrême, parce qu'on peut considérer la bande de Bollinger comme un extrême, alors qu'il n'y a pas énormément de tendance. Donc dans ce. Enfin, il n'y a pas énormément de momentum. C'est-à-dire le momentum est, est faible. Et ça en général, on a toujours des contrariants ici qui se placent sur les excès de, de bande de Bollinger. Et si on n'a pas beaucoup de tendance, c'est-à-dire de, de force de fond, pour valider la poursuite du mouvement, et bien en général on a un retournement. Ça, c'est un signal, alors je ne l'ai jamais backtesté, mais il faudrait que je le fasse, parce que c'est un, un signal que j'ai souvent remarqué. Je pense même vous en avoir parlé quelques fois sur ce, sur ce live. Bonjour Laurent, si le Brexit ne se fait pas fin mars, il va se passer quoi pour les élections européennes en mai alors les Anglais devraient voter pour avoir leur propre député. Ouais, ça pose problème. Hein. C'est vrai que ça pose problème. Après le fait que la Commission européenne ait dit que... Enfin que les Européens aient dit qu'on pouvait repousser, repousser le Brexit. Je pense qu'il y a une porte de sortie qui a été réfléchie euh, récemment justement pour ces élections européennes. Euh, après, alors à moins qu'on dise que bah, justement vu que les Anglais doivent sortir, eh bien... Euh, euh, on va prolonger peut-être le, le mandat des, des parlementaires européens anglais, parce qu'on va pas les faire revoter s'ils doivent sortir six mois après. Donc est-ce qu'on prolongerait leur, euh, leur mandat Histoire de, de... Si on croit vraiment au Brexit, c'est ce qui se fera. C'est-à-dire si on croit vraiment au Brexit, c'est-à-dire si on croit qu'on leur donne un peu de temps, mais qu'à terme ils sortiront, bah, on va prolonger leur mandat de quelques mois en se disant on va pas reprogrammer des élections pour que les, les, les élus soient, euh, soient démis euh, quelques mois après. donc on va prolonger le mandat. par contre si on refait des élections ça montre qu'il y aura une tentative effectivement de bah, tout simplement d'annuler le brexit. Hein. Euh, bonjour, c'est un signal d'achat. J'entre souvent sur ce setup. Oussem, tu parles de la sortie d'une de, de, bol avec la moyenne mobile exponentielle de l'autre côté, c'est ça C'est de ça qu'on parle, Oussem Effectivement, moi, c'est un, un signal que j'ai souvent remarqué. Alors, le problème, c'est qu'il n'arrive pas souvent, mais j'ai remarqué qu'il était, était un signal assez fiable quand même. Alors j'en ai pas rencontré assez souvent pour me permettre de le, de le jouer en live, et puis j'ai pas encore calibré les stop loss, etc. Parce que là, vous voyez, on pourrait se dire, bah là, dès que, je, dès que ça sort de la bol, donc la bol en direct, elle devait être à peu près ici, dès que ça sort de la bol, bah, euh, vu que la moyenne mobile elle est, euh, elle est au dessus, eh bien, je vais acheter. Sauf qu'il faut, il faut absorber tout ça en drawdown. Hein. parce que sinon on n'est pas bon. Hein. Si on se fait stopper ici et puis que ça revient derrière, ça veut dire qu'on a la stratégie qui, qui a marché. Mais que comme on avait un stop trop proche, eh bien, euh, eh bien on, on se fait sortir. Alors si on prend la largeur des bols, alors attendez, on va faire un petit peu de science-fiction. Euh, ici on est 1331-21. Ici on est allez euh, 1327-46 Bon, allez, on a quasiment 4 dollars. Donc, si on prenait 1323 par exemple, ouais, non, ça va, on n'était pas stoppé. Donc, vous voyez, largeur des bols. Mais ça veut dire que euh, si on achète là, on prend largeur des bols en stop. Donc, on est à peu près à 1323. Là, on a un, on a un point bas à peu près à 1325. Euh, point bas, ouais, 1325,05. Euh, après, on a le. Non, on est sur le bid. Donc, on n'a pas de décalage de spread. Et ça veut dire qu'on vient ici chercher un stop euh, d'une largeur de bol pour un objectif de moitié. Donc c'est logique parce qu'on est sur une stratégie contrariante, puisque le fait ici d'avoir un mouvement baissier qu'on achète, c'est du contrariant. Et donc sur un mouvement contrariant, c'est très logique que l'on ait ici un, un stop qui soit plus élevé que euh, l'écart du tech profit. C'est quelque chose que j'ai... Euh, le temps constaté sur chaque stratégie contrariante si on veut faire du gain sur le long terme il faut absolument que le stop soit plus large que l'objectif de gain. ça c'est une constante que j'ai toujours retrouvée sur toutes les toutes les stratégies que j'ai euh, que j'ai testé en contrariant oui c'est ensuite une fausse cassure puis continue sa son du train d'accord le tp et le range. oui, tout à fait oui hmm. Ben moi, le TP, à un moment, je voulais le calibrer sur un retour. Alors, soit sur un retour ici sur la bougie précédente, ce qui reviendrait un petit peu à ce que tu dis, euh, soit retour ici sur la moyenne mobile quasiment. Mais bon, ce qui est quasiment équivalent, après, c'est du détail. Hein. Pouvez-vous réexpliquer comment vous déterminez votre stop Alors, ça, c'est une, une règle de monnaie management. Quand on ne sait pas, euh, ne sait pas comment placer un stop pour n'importe quelle stratégie, la base, après ça peut être affiné, hein, ce n'est pas une règle absolue, mais la base c'est de prendre une largeur des bandes de bollinger, c'est-à-dire deux écarts, enfin quatre écarts types hein, Puisque là ici on a la moyenne, là c'est la moyenne plus deux écarts-types, là c'est la moyenne moins deux écarts-types. Donc ici entre les deux bandes de bollinger, on a quatre écarts-types. Et donc le, la règle de base en fait pour placer un stop si on ne sait pas vraiment où le placer, on prend notre point d'entrée et on rajoute ici le. L'écart des bols, donc tout à l'heure, je l'avais mesuré, euh, l'écart des bols, donc quand on était là, on devait être à peu près euh, ici, donc 1331, et ici, euh, 1327,50, euh, donc ce qui nous donnait euh, 2,5, ah non, ça faisait 3,5 en fait, et 3,5 moins ça, on est à 1324, d'accord Là, si on fixe ici qu'on est à 1327,60 environ de, de, de points d'entrée, euh, moins 3,5, ça fait 1324. Et là, on a un plus bas à 1325. Donc, on est bon. On est bon parce qu'en plus, qu plus, le la cotation ici, le point bas, c'est le point bas du bid et c'est le point bas de notre stop. Donc, on est pas mal. Mais ça, c'est une règle approchante. Hein. Dans la plupart des stratégies... C'est alors après, on peut mettre plus ou on peut mettre moins en fonction de la, de la stratégie que l'on fait, mais là justement, c'est ce que j'expliquais c'est qu'en contrariant, on aura plus tendance à élargir, à éloigner le stop, d'accord, en contrariant et à le rapprocher. Plus on va dans la tendance, plus on peut rapprocher, c'est-à-dire que même pour du breakout, on est sur des stops qui sont beaucoup plus proches que euh, l'amplitude des bandes de Bollinger par exemple, parce qu'on est dans la tendance, donc en fait, on a. En fait, c'est une théorie, je n'ai jamais réussi à finir ça. C'est qu'on a la largeur des bandes de Bollinger donc, qui nous donne la volatilité moyenne du, du marché. Donc, on reste cohérent par rapport, à une, par rapport à, une, à une volatilité moyenne. Mais par contre, si on prend en compte la mesure de la dynamique, et donc plus la dynamique est forte, plus je dirais on va décaler le stop dans le sens de la dynamique. et bien, si on est sur un breakout, qu'on joue dans le sens du breakout, on va, on va rapprocher le stop. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça c'est quelque chose, c'est une intuition que je n'ai jamais réussi à, à, à vraiment matérialiser, à vraiment mesurer, à trouver un calcul qui faisait qu'il y aurait une certaine cohérence. Mais dans les faits, en fait, c'est ce que, quelque chose, je pense, qui, qui peut marcher. La moitié de mes positions sont basées sur ça. D'accord. Oui, donc c'est une stratégie qui fonctionne, alors, Oussem. Euh, y en a, y en a. Mais avec ce rejet de prix de cette bouchée englobante haussier, on peut prendre un buy sur la position. Ah, position. Oulala. Là là. Alors, Cédric, euh, j'ai énormément de mal... Mais avec ce rejet de prix et cette bougie englobante haussière, d'accord, euh, on peut reprendre un bœil sur la position avec hein, avant, un avant-positionné sur l'ancien support devenu résistance. Ancien support devenu résistance. Euh, ouais, je ne comprends pas bien là votre. Euh, votre, euh, votre intervention, Cédric, je suis désolé. Il y a trop de termes qui... À la limite, essayez de m'envoyer un, une copie écran que je comprenne mieux parce que là, j'ai du mal à comprendre. La mèche sont les acheteurs. Ben oui, bien sûr. <laughs> la mèche sont les acheteurs, oui, effectivement. Hein. On, je dis souvent... D'ailleurs, c'est un truc... C'est un élément que je ressors souvent dans mes, dans mes analyses euh, vidéo. C'est que lorsqu'on a une bougie hésitante avec une forte mèche et une forte hausse des volumes... En général, c'est un changement de conviction. Alors, sur, les, sur un indice, on peut, on peut parler d'arbitrage, parce qu'en fait, on se déleste de certains titres pour aller sur un autre secteur, par exemple. Mais là, sur le forex, déjà, on n'a pas les volumes, mais ces ombres comme ça sont souvent témoins d'un changement de dynamique. Alors, je dis souvent, mais pas tout le temps. Et il faut savoir aussi avoir une certaine lecture. Ça, par exemple, on peut apparenter ça à une mèche. Là, on est en M15, on ne la voit pas, mais je suis sûr que si on se met en M30, euh, voilà, là on l'a hein, la configuration. Vous voyez les mèches ici et puis hop, on, on repart dans l'autre sens. Alors, donc là, euh, donc ça continue à monter. On va repasser en M15 sur le CAC. Bon, pour l'instant. Ça reste aussi. Hein, on a les indices US qui commencent à, à accélérer. Euh, la UDUSD qui vient de revenir ici sur sa moyenne. Mais bon, on n'est pas sur le... Ah si on est sur le contact initial. On est beaucoup monté quand même. Hein. Hum, ouais, ça m'embête un peu d'acheter maintenant. Pourtant. Euh, pourtant, pourtant... bien monté là. M'embête un peu d'acheter ce genre de choses d'acheter ce genre de configuration euh, là il n'y a rien de l'arienne, d'accord euro, euro yen est peut-être intéressant que dit l'euro dollar ok ouais c'est peut-être pas mal ça racheter le ici mais bon, on est pareil, on est sur un deuxième contact. Après, acheter ce contact-là, non. Parce qu'on est sur une première impulsion qui ne casse pas de plus haut significatif. Par contre, là, si on revient sur la moyenne mobile, oui, je prendrais peut-être un achat. Parce que là, cette, cette phase ici, cette zone-là, là, elle nous a permis vraiment de, de valider un nouveau plus haut. On le voit hein, sur cette vue un peu plus élargie et là euh, effectivement ça serait intéressant de, de prendre ici la moyenne mobile j'espère qu'on va redescendre encore un petit peu mais là oui il y a un coup à jouer effectivement le fait d'avoir ici cette impulsion le retour ici en consolidation et cette stabilisation ça c'est un signal intéressant par exemple et en plus on voit qu'on est, on est supporté ici vous voyez cette zone là de résistance hein, on est venu échouer là, là, là et là et eh bien cette zone elle est devenue support donc là, c'est un signal intéressant parce qu'on a la moyenne mobile ici qui est juste en dessous, mais on a aussi cette résistance eh bien, qui devient support. Et ça, en général, c'est bon signe pour la suite. Alors après, bon, là, normalement, on a un peu de retard il aurait fallu qu'on se, qu se positionne ici. Euh, bon, j'espère que le marché nous, nous donnera une autre porte d'entrée. US, on les arrête plus. Ouais, avec un stop loss positionné sur l'ancien support devenu résistance. Alors moi, Cédric, je le stop loss, je le mets toujours plus loin, d'accord. Par contre, euh, le, un support devenu résistance qui est réenfoncé euh, ou une résistance devenue support, mais qui est recassée dans l'autre sens, c'est effectivement un niveau d'invalidation. Par contre, moi, j'essaye de privilégier un stop plus éloigné. Pour que le point d'invalidation, en fait, je le considère comme un signal qui va me permettre de chercher un meilleur point de sortie que si j'avais été stoppé, par exemple. Je peux même vous dire que les EA des breakouts sont en perte. Euh, sur quel. Euh, comment ça Alors les EA les des breakouts, ça c'est vrai que moi ça fait très longtemps que je les utilise hein, ces EA. Après je les ai fait un peu évoluer, mais euh, ça fait très longtemps que j'utilise euh, des EA euh, euh, similaires. Et historiquement, il y a toujours eu des longues phases de gains, des enfin non, des longues phases de pertes et des petites phases de gains. Par contre, dans les petites phases de gains, c'est on gagne très vite, on gagne très rapidement. C'est d'ailleurs le principal problème que l'on a en utilisant ces EA, ces EA, c'est que on a l'impression d'avoir un truc qui ne fonctionne pas en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment l'expert le, qui met notre, euh, notre patience à rude épreuve. Parce qu'en fait, on doit supporter des drawdowns, alors qui en termes de pourcentage ne sont pas énormes. Mais ça plombe le moral quand même, parce qu'on fait beaucoup de petites positions perdantes. Et au bout d'un moment, ça peut, euh, ça peut démoraliser. Ouais. Sur le gold. Ouais, alors sur le gold, j'en avais développé un. Euh, un EA, donc qui. Euh, D'ailleurs, le, le premier fonds s'appelle Forex Como, hein, Elvic Forex Como. Et en fait, j'ai enlevé Como parce que euh, sur le Gold, entre ce que je backtestais et ce qui se passait, ça n'avait rien à voir. Alors, j'ai eu un problème aussi de, de data qui n'était pas cohérent, les data que j'avais téléchargées. J'ai essayé avec d'autres data et en fait, ça n'a jamais vraiment bien marché. Quoi. Et. Euh, et c'est vrai que euh, je me suis toujours demandé est-ce que c'est un problème d'approche Est-ce que c'est le sous-jacent qui est un peu spécial Etc. Et je l'ai enlevé. Au bout d'un moment, je l'ai plus fait parce que je me dis bon, bah, la stratégie marche bien sur d'autres sous-jacents. Donc, quelque part, il y a une cohérence. Mais euh, sur l'or et sur le WTI, je jamais réussi à les faire fonctionner durablement. Ça sent l'arrachage de stop. T'en penses quoi sur les US Je suis aussi à court terme, mais ça devient de plus en plus tendu. Bon, le street fait grimper, donc on grimpe. Oui, alors, on est effectivement sur un mouvement haussier, mais effectivement, c'est plus le moment de rentrer, quoi. Alors, regardez tous les, tous les setups, tous les signaux que je vous donne. C'est, euh, on essaye de rentrer à la première impulsion. Déjà, la deuxième, j'hésite. Donc là, ça fait des semaines qu'on monte. C'est pas le moment de rentrer maintenant, quoi. Mais c'est pas encore le moment de shorter. D'accord donc là, pour l'instant, typiquement, on guette un signal de sortie. Mais moi, euh, franchement, même si on avait un beau signal là ou alors ça serait du très court terme. Regardez tout ce qu'on a. Euh, on ne va pas acheter là, quoi. Au moins, on attend une phase de consolidation. Vous voyez, ceux qui ont attendu ici, qui, qui ont pris cette phase de consolidation ici, bah euh, oui, pourquoi pas. Hein. Ceux qui ont une vision, hein, ceux qui ont une lecture un peu euh, un peu plus moyen terme. Là, ils ont acheté la moyenne mobile 50%, ils sont pas mal hein, parce qu'il y, y a un beau suivi de dynamique. Mais là, on ne va pas acheter là, quoi. On est sur un plus haut. Donc euh, non. Enfin, moi, je ne le fais pas en tout cas. Je le ferai éventuellement pour avoir. Euh, euh, oula. On a eu un sacré spread là d'un seul coup. Euh, moi, je le ferai peut-être pour avoir un, un signal court très court terme. Mais euh, pour du swing, c'est hors de question. Pas une autre point d'entrée sur Euroyen. Hein. Ouais, on n'est pas revenu. On n'est pas revenu sur cette zone-là. C'est dommage. Ah, c'est typiquement le, bah, le manque d'attention. Euh, et c'est typiquement pour ce genre de choses que j'ai écrit des algos. C'est parce que. On ne peut pas avoir le nez collé à 12, euh, à 12 graphes en même temps et puis euh, attendre le signal. Là en plus, bon, je vous montre des choses, etc. Donc euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais typiquement, là, voilà, le signal, il était bon. Ouais, là ça va être euh, tant pis. Tant pis pour moi. Le signal, il était ici. Là, sur cette toute petite ombre, encore je ne suis même pas sûr qu'on l'ait eu. Je ne sais, sais même pas si je l'aurais pris en fait. Parce que là, on, on, le, la moyenne mobile, donc par, par rapport à la clôture, il n'y a pas une gros écart. En fait, quand on voit le spread, on n'aurait jamais eu le hasque ici sous la moyenne mobile. Donc en fait, je pense que je l'aurais attendu, mais je ne serais pas rentré. Alors que normalement, alors ça c'est une déformation, euh, je sais que ce n'est pas bien, mais bon, <laughs> je peux pas m'en empêcher. C'est que moi j'essaye toujours d'acheter quand le hasque ici est sous la moyenne mobile. Alors qu'en fait, il faudrait que je l'achète quand le bid est sous la moyenne mobile. Et que je vende effectivement avec le bid au-dessus ici du point haut, ou au-dessus de la moyenne mobile, enfin, ou au-dessus de la bande de Bollinger. Puisque c'est le bid en fait qui fait la bougie. Le hasque, c'est le bid plus le spread. Ouais, voilà, là on repart à la hausse, donc euh, tant pis, le signal va passer. Mais non, mais le pire, euh, le pire euh, Oussem, c'est que l'indicateur, je l'ai déjà, quoi. <laughs> ouais, là, le signal il était beau, hein, quand même. Après quand on le regarde comme ça, effectivement, euh, c'est difficile de rentrer là quand même. Enfin, de rentrer ici. Alors que le signal il est là. Hein. Vous voyez là le signal il est là. Hein. Là on est ici sur du... Mais bon même là on en avait un qui a été invalidé. Hein, C'est-à-dire ici, si on achetait ici, suite à cette impulsion-là, on achète là. Là ici on invalide. Donc au pire on rachète une deuxième fois. Et quand on revient là, ben, on revend. Donc là on est... Euh... Bon, on fait un petit gain. Et puis après, ici, on a impulsion, retour sur moyenne, ici, et hop, on suit. Et là, l'impulsion, elle est pas mal aussi. Vous voyez, là, on est sur un petit mouvement baissier. Là, hop, on change. Ici, le point haut par rapport à ce point low, il fait changement. On achète là, et ensuite, selon comment on joue, soit on ressort ici tout de suite, soit on vient chercher ici. Un point haut quoi par contre le point de sortie il est pas il n'est pas terrible il vaut mieux quasiment sortir dès le début hein. là c'est pareil le point bas si on peut venir chercher aussi il ouais, y avait des bons il euh, y avait des bons euh, des bons coups à jouer Bon, bah a priori, on ne prendra pas ce, euh, ce, ce signal-là. On va surveiller toujours l'USD-CAD. On voit que l'impulsion ici a l'air de vouloir consolider. On va voir si on revient ici au voisinage de la moyenne mobile 20 exponentielle. On prendra effectivement ce, ce signal. Bon moi j'arrive toujours pas à me décider sur le type de trading à adopter, entre le swing, le scalping ou le trading en intraday. Ben, moi je dirais que si vous êtes débutant, commencez par le swing. C'est le, le meilleur pour apprendre. Et puis au fur et à mesure que vous gagnez en, en expérience et en expertise, c'est-à-dire en connaissance, réduisez les échelles de temps. Mais commencez par du par du moyen terme. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Bonjour Gilles, j'ai fait un short pétrole et là un long 55,90. Alors, moi j'ai toujours du mal avec ces, avec ces stratégies contrariantes comme ça suite à un fort mouvement. Alors, peut-être qu'en le lisant sur une unité de temps plus grande. Ouais, même là. Hein. Pff, 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 pff. À un moment, j'avais euh, testé une approche ici euh, après une, une Total Orbol. Je jouais, je jouais contrarian. C'est une stratégie qui donne, qui va donner un gros pourcentage de trades gagnants. Par contre, quand on va perdre, c'est, c'est assez énorme. Parce que le problème, c'est comme c'est du contrarian, on est obligé d'élargir le stop par rapport au profit. Et le but ici, c'est de jouer. Par exemple, là, vous voyez, en, en une heure, on a une bougie totalement exclue de la, la bande de bollinger. Et donc, le but, c'est d'acheter ici, de cette bougie. Donc, c'est peut-être ce que vous avez fait parce que c'est quasiment le niveau d'un 5590. J'ai l'impression que c'est le point d'entrée ici de la bougie. Euh, hop. Euh, open 5586, où on n'est pas loin. Et effectivement, là, on attend une réintégration, voire un retour ici sur une petite moyenne mobile, genre moyenne mobile 5 exponentielle, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ce que j'utilisais. Mais euh, honnêtement, euh, sur des phases avec forte volatilité, ça ne tient pas à ce genre de stratégie. Hein. T'as pas d'indicateur pour les divergences, Gilles Non. On est dans une mauvaise position prise sur euro-dollar. Sur l'USD CAD, on a peut-être qu'un coup à jouer là. Ouais, surtout que là, on était sur une dynamique assez baissière. Le fait d'avoir cette impulsion ici, si on revient, j'espère qu'on aura un retour sur la moyenne mobile, car là où ouais, effectivement, je pourrais rentrer. Sur une analyse W1 sur SP 500, racine parallèle, l'oblique basse sur les deux bottoms et l'oblique haute sur le top, ça peut donner une bonne info. On prend le prix d'impact et on y arrive. Le CAD est à vendre. Ouais, mais je vais attendre un, un point d'entrée un peu plus bas sur l'USD CAD effectivement pour acheter l'USD CAD et donc vendre le CAD effectivement. Ouais, les indices américains ont l'air de, de vouloir bien, euh, bien prendre la hausse. intéressant pourquoi j'avais tracé ça OK 2816 alors que sur le CAC on est à on arrive ici aussi sur une zone majeure 2816 5248 sur le CAC. Là j'ai commencé à préparer mon ordre. Et Gilles, un bref sur le swing. Utilise quoi comme VPS bah C'est un VPS perso que j'ai loué chez, chez un hébergeur. Euh, je pourrais vous donner le lien si vous voulez. Je vais vous donner ça tout de suite. Ce que j'aime bien chez eux c'est que euh, on peut adapter, le, on peut adapter le, le niveau de performance à ce que l'on a vraiment besoin. En fait c'est un VPS qui est flexible dans le sens où on peut, euh, euh, on peut demander le nombre de processeurs, euh, la quantité de RAM dont on a besoin. Et en fait euh, ça se fait en gardant le même VPS. Donc en fait moi je l'ai déjà fait une ou deux fois. Au début, je prends toujours le minimum, et puis en fonction des, des algos euh, que j'ai besoin de faire tourner, je regarde le niveau de, le niveau de, de CPU et de RAM qui est, euh, qui est, euh, comment dire, qui est consommé, et euh, bah, si euh, le niveau est insuffisant, bah, je demande un upgrade. Donc, il y a des tarifs. Hein, je vais vous montrer si vous voulez. Euh, donc, il faut prendre le. Je crois que c'est le Flex Server. Et en fait il, vous pouvez faire varier et en fait il vous demande à quelle heure euh, à quelle heure euh, parce qu'il faut rebooter en fait le VPS. Donc euh, il vous demande à quelle heure il faut rebooter le, le VPS et vous pouvez choisir. Alors ce qui est intéressant avec cet hébergeur c'est qu'ils ont une présence sur site 24 heures sur 24 Ça m'est déjà arrivé d'avoir un blocage du VPS, euh, d'écrire un mail en urgence et euh, le VPS était débloqué en 15 minutes. Il était quand même 2h du matin. C'est chose rare, j'ai connu d'autres hébergeurs pour lesquels il fallait attendre beaucoup plus. Donc voilà, moi c'est vrai que ça fait des années que ça fait des années que j'utilise ces VPS. Alors au niveau du ping, par rapport à par rapport aux VPS, donc alors attendez, je crois que je l'ai ouvert en plus, mais j'ai un ping inférieur à 10 millisecondes. Honnêtement, euh, bon, je ne vais pas vous en dire plus, mais j'ai, enfin, pas moi personnellement, mais euh, une personne que je connais a fait des tests avec un VPS qui était beaucoup plus proche et avec un ping beaucoup plus faible. Et honnêtement, alors après tout dépend le style de, le style de, de stratégie que vous utilisez. Pour l'écart de coût, en fait, par rapport au, à ce VPS, eh bien, le résultat n'était euh, pas euh, franchement significatif. Voilà. Oui, effectivement, je suis d'accord, Steph, il y a beaucoup mieux. Mais je vous le dis, hein, on avait fait des essais avec un VPS donc, qui était euh, en gros euh, quasiment dans le même data center que le, que le courtier. Et euh, le ping, il était, euh, je crois qu'il était inférieur à une milliseconde. Et euh, bah, en fait, les résultats en termes d'algo n'étaient pas meilleurs. Donc euh, voilà, après je pense qu'il faut privilégier moi, euh, c'est vrai que quand on tombe sous les 10 millisecondes, je dis bon bah ok on est bon quoi. Moi je vais faire du scalping, j'ai besoin de ping inférieur à 2 millisecondes. Ouais bah faut, faut chercher effectivement mais euh, moi j'ai une stratégie de scalping effectivement et elle fonctionne avec, euh, avec 10 millisecondes. Après il y a différentes manières hein, de faire du scalping. Euh, si par exemple vous passez en ordre limite, là c'est plus le c'est plus la latence du VPS, c'est plus le ping du VPS qu'il faut prendre en compte, c'est euh, bah, quelque part la rapidité d'exécution du serveur. Hein. Du serveur de votre broker du coup. Donc, pour répondre à Roland, un VPS c'est un ordinateur qui est placé physiquement proche de la bourse ou bien il peut être basé n'importe où dans le monde. Alors, si vous faites honnêtement, si vous faites du swing, peu importe, vous pouvez le mettre à, juste à côté de la source ou juste euh, ou loin, ça n'aura pas une grosse incidence. Idem, si vous utilisez des ordres limites à l'entrée et à la sortie. Votre VPS, vous pouvez le mettre où vous voulez, même si vous avez un ping pourri de 200 millisecondes, ça fonctionnera parce qu'en fait, ce qui passera l'ordre, c'est le fait que l'ordre soit inscrit chez le broker et qui sera exécuté par le serveur du broker. D'accord, votre VPS ne va juste transmettre qu'un ordre limite. Par contre, si vous passez en ordre marché, c'est-à-dire un petit peu comme si là je cliquais achat vente achat vente achat vente, eh bien là effectivement, il va vous falloir un ping élevé parce qu'en fait le le, les ordres vont être déclenchés par votre algo, par des fonctions qui sont intègres, hein, bon, par la, fo la fameuse fonction, euh, fonction order send. Et euh, la fonction order send, à partir du moment où elle va envoyer l'ordre, en fait, l'ordre va partir de votre VPS. Et donc, il vous faut un ping rapide pour que, au moment où la condition d'achat ou de vente est détectée, eh bien en fait, ça va partir de votre serveur, et de votre serveur, ça va aller jusqu'au jusqu serveur du courtier. Donc là, effectivement, il vous faut un ping très rapide parce que le ping, c'est ce qui correspond en, euh, au temps que votre ordre va mettre pour partir de votre VPS vers le serveur du courtier. Alors que si vous êtes en ordre limite, que l'ordre est déjà sur le serveur du courtier, que vous ayez un ping à 2 millisecondes ou 200 millisecondes, c'est exactement pareil. Donc tout dépend ce que vous faites, en fait. Et en termes de VPS, moi, la seule chose que je ne fais pas, c'est que je ne. Je ne me mets jamais sur le VPS de mon courtier ou, euh, ou apparenté, c'est-à-dire euh, euh, même le, celui qui me fournit par exemple un logiciel de... Euh, je pense qu'il y, y en a plein, hein, des acteurs, je n'ai pas envie de les nommer pour ne pas leur faire de, de publicité ou contre-publicité. Mais moi je ne prends pas déjà le VPS du serveur, du, du courtier, tout simplement parce que ben, euh, euh, pour un simple problème de... de de enfin un courtier à partir du moment où il a votre la main sur votre VPS rien ne l'empêche s'il est malhonnête de d'aller voir euh, votre code quoi tout simplement donc euh, moi personnellement je n'ai jamais euh, je l'ai fait pour des phases d'essai mais euh, j'ai jamais voulu prendre le serveur d'un courtier c'est même si c'est offert je ne le prends pas euh, par contre euh, effectivement euh, euh, Donc voilà, si vous faites du swing ou si vous passez en ordre limite, bon, c'est pas très important en fait. Essayez d'installer un deuxième metatrader. Le problème, c'est que je n'arrive pas à m'identifier. Il ne me propose que des contrats périmés. Ah, bah oui, bah, il, faut, euh, il faut arriver à se connecter déjà. De toute façon, sinon, votre, euh, votre algo il passera jamais d'ordre. Hein. Désolé pour ma question de néophyte. Non, pas du tout. Alors euh, au contraire, je pense que c'est une question et surtout la réponse qui peut intéresser énormément de monde. Donc il n'y a vraiment aucun souci. J'utilise un autre hébergeur que je peux te communiquer si ça t'intéresse, s'il a un milliseconde avec ActiveTrade. Quel système d'exploitation De toute façon, il faut entre 01 et 1 seconde à Active Trade pour exécuter l'ordre. Ouais, donc euh, effectivement. Hein. Mais après, euh, après Lucius, je pense que ce que veut dire Stéphane, c'est que... Euh, l'ordre de toute façon que, que va mettre le temps euh, ActiveTrade pour exécuter, enfin le temps que va mettre ActiveTrade pour l'exécuter l'ordre, il faut en plus rajouter le ping pour que l'ordre le, le, euh, parte en fait de, de son serveur jusqu'au serveur du courtier. Le courtier a-t-il possibilité de s'approprier un algo Alors, Je crois pas. Hein. Alors là, il faudrait demander à des spécialistes. Alors, à part si vous le mettez sur son VPS, où là forcément, bah, à partir de la main, du moment où il a la main sur le serveur physique, même si vous protégez par mot de passe, etc., je pense qu'il y a toujours moyen qu'il puisse récupérer l'algo, hein. honnêtement. Alors, quel système d'exploitation possible sur le VPS bah, Vous mettez ce que vous voulez. Hein. J'en connais même qui tourne avec des Windows 98. Donc, euh, après, c'est vous qui voyez. Hein. Bon, moi, sur cela, sur ceux que j'ai, je crois que c'est du Windows Server... Euh, je crois que c'est du 2012. C'est-à-dire le plus proche de, de Windows 7 en fait. Par contre, MetaTrader ne fonctionne que sous Windows. Hein. Non, le courtier peut seulement hacher ton flux pour te bloquer. Oui, c'est-à-dire il peut même dégrader ton exécution. Hein. Un courtier malhonnête, il peut te... Il peut te rajouter euh, il peut te rajouter une latence à l'exécution histoire de dégrader ton exécution euh, bon c'est des choses qu'on voit pas beaucoup ceci dit hein. mais dans certaines euh, dans certaines euh, dans certains cas oui ça peut arriver c'est à nous de faire l'installation de Windows alors moi dans les serveurs donc là chez le chez l'hébergeur que je vous ai euh, que je vous ai donné euh, quand le, le serveur m'est livré, j'ai mes accès et Windows est déjà installé. Et sur MT4, comment ça sur MT4 Le courtier a-t-il possibilité de s'approprier un algo Alors, par contre, moi, effectivement, ce que je fais, c'est que je n'installe pas le MT4 du courtier j'installe le MT4 que j'ai téléchargé sur le site euh, Metacote. version de Windows est-il possible de choisir la version? Euh, moi je sais que quand j'ai pris ces VPS là, oui j'ai choisi ma version. Après, euh, il y a toujours possibilité euh, si par exemple vous avez une licence euh, Windows euh, Server hein, disponible ou même un Windows classique. Alors après, je ne sais pas si c'est euh, si tout est compatible, mais euh, vous pouvez toujours louer un serveur, euh, un VPS Linux et installer votre propre Windows si vous savez faire. C'est aussi possible parce que c'est vrai que moi dans le, le prix que je, dans le prix où j'achète mon VPS la licence Windows est inclue. incluse. Bonjour Philippe. Ça ce sont des informations que l'on retrouvera dans. Euh, dans la formation euh, Algo, hein, puisque je vais faire quelque chose de très large, où effectivement je vous donnerai peut-être plus d'informations sur les VPS, la manière de les paramétrer, etc. Il faut d'abord avoir des nœuds qui gagne avant de penser à un VPS, oui tout à fait. <laughs> Mes premiers Algo, je les ai testés euh, de chez moi, hein, c'est-à-dire que j'avais un PC euh, qui était tout le temps allumé, et puis euh, bah, j'ai déjà regardé si, parce qu'effectivement le VPS c'est un coût, donc si c'est pour faire gagner un algo qui, qui gagne aléatoirement sur un compte où il y a, où il y a 500 euros dessus, posez-vous la question de savoir si c'est bien utile ou pas. Quoi. Euh, merci pour ces détails, de rien Charles. Comment peut-on protéger son algo alors euh, première prote protection la plus simple c'est de ne mettre sur son VPS que les EX4, c'est-à-dire que quand en fait vous faites un algo, vous avez le, le MQ4 qui est donc la version euh, où le code est accessible. Et ensuite vous avez l'exécutable qui est un code compilé euh, qui, qui a une extension EX4. Donc en général vous, vous programmez vos algos sur votre PC personnel et sur le VPS vous ne mettez que les EX4. Donc, c'est une première couche de protection. Après, alors le, a priori, le système de cryptage a bien évolué, c'est-à-dire c'est beaucoup plus difficile maintenant de craquer un EX4 avec les décompilateurs que l'on trouve sur Internet que c'était le cas précédemment. Euh, Metacote a communiqué dessus. Après, effectivement, si vous faites pirater votre VPS, eh bien. Euh, et eh bien, euh, la personne peut s'emparer de votre x 4 et essayer de le décompiler. alors, on m'avait donné une, une méthode pour, pour effectivement euh, euh, placer le, enfin, faire tourner le vps avec, euh, pour le faire tourner en mémoire, en fait, pour faire tourner le x le 4 en mémoire, mais c'est une manipulation qu'on m'a expliqué, mais que je ne saurais pas vous réexpliquer euh, là maintenant. <laughs> voilà. Donc là, c'était un, un professionnel de l'informatique qui m'avait expliqué comment faire ça, mais honnêtement, c'est quelque chose que je ne saurais pas faire tout seul. Il voilà, y a des possibilités, mais dites-vous bien que la, la protection euh, infaillible n'existe pas de toute manière. Pour mettre au point un algo et le tester, faut-il obligatoirement un VPS ou ça peut être frais sur le PC à la maison Ça peut être fait sur le PC à la maison. Il faut juste avoir une connexion fiable quoi. Mais déjà, vous le testez à la maison sur un compte démo. Ensuite, vous le testez à la maison sur un compte réel avec peu d'argent dessus. Et effectivement, si vous sentez qu'au bout de quelques mois, il y a du, il y a du potentiel, bah, vous prenez un petit VPS, on en trouve des pas chers du tout. Euh, moi pour vous donner une idée les premiers prix là chez le, le, la personne que je vous ai... Enfin chez le... Je crois que c'est une douzaine d'euros par mois, le VPS. C'est pas... C'est pas... C'est pas très très cher. Il y a moins cher, hein, mais après, il y, a, il y a plus cher aussi. Hein. Voilà. Alors, ce que je vous propose... Euh, ah ouais, alors ça m'embête parce que là on descend pas plus sur l'USD CAD. On va attendre encore un petit peu. Pour l'instant pas de position prise. Très compliqué là dans ce marché. Au niveau des US on est sur des points hauts donc je ne vais pas acheter le marché maintenant. On est sur des points hauts aussi sur les marchés européens donc je vais pas acheter maintenant. C'est neutre ici sur les paires en dollars, hein, l'euro dollar, GBP USD. On doit avoir des interventions sur le Brexit. L'euro GBP est totalement neutre. De l'Arienne, euh, on est déjà sur un troisième contact, donc on ne prendra pas là. Là, le seul, le seul signal que j'ai actuellement, c'est lusd cad euh, Si je vois que là, ça se stabilise après la hausse qu'on a eue et qu'on ne veut pas descendre sur la moyenne mobile 20 exponentielle, peut-être que j'achèterai un peu plus haut que la moyenne mobile, sachant qu'on a une impulsion ici qui peut, euh, qui peut le justifier. Mais pas pour l'instant, c'est encore trop tôt. Donc pour l'instant pas grand-chose malheureusement. Ça, les séances de trading, hein, on peut pas prévoir à l'avance, euh, on peut pas prévoir à l'avance euh, les positions qu'on va passer, quoi. alors, est-ce qu'il y a des news sur le brexit? je ne peux pas vous dire parce qu'en fait, pour des problèmes de, de bande passante, je, je coupe tous les autres flux. Euh, et donc, j'ai pas de... voilà, j'ai pas de news autre que celle que vous me donnez pendant le live. Donc, désolé. Euh, l'information que tu me dispenseras en avril aborderas tu? ce qui a rapport avec un vps? oui, bien sûr. c'était prévu. Hein. C'était prévu. Euh, J'espère faire quelque chose d'assez, d'assez complet parce que euh, pour moi, le, 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 le trading algo justement euh, comprend ce cet aspect technique. C'est-à-dire qu'on va, on va en fait quand on va faire de l'algo, on va simplifier certaines choses, mais par contre, on va complexifier certaines autres choses. Et le VPS, la gestion du serveur en fait partie. J'ai fait des erreurs au début, hein, moi, par rapport à ça. Euh, vps, c'est pas tout à fait comme un ordinateur, c'est on ne l'utilise pas de la même manière. et j'ai fait des erreurs aussi. steph nous dit, je pense qu'il n'y aura pas de brexit, bah, j'ai la même opinion que toi. après, la conviction a un peu baissé par rapport à la première fois où j'en ai parlé. mais pour moi, c'est encore... Euh... pour moi, c'est encore dans les clous. C'est ce que je pense depuis le début. de la bourse américaine. Quels sont les prérequis pour pouvoir suivre les lives dédiés aux algos, connaître un langage informatique Non, je vais vraiment essayer de faire quelque chose. C'est un peu la difficulté de cette formation. C'est essayer de faire quelque chose qui sera profitable aux totalement néophytes et aussi à ceux qui ont commencé déjà le qui ont commencé déjà le... ou qui traitent déjà euh, en algo. Euh, moi, j'ai voulu empiler les plateformes sur mon PC pour tester diverses stratégies, et c'est le deuxième où je constate qu'il se met à ramer vers 23h le dimanche à l'ouverture des cotations. Alors, comment je pourrais t'expliquer ça euh, Tout dépend après du nombre d'algos que tu as et du nombre de sous-jacents que tu surveilles. Mais en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ton algo, à chaque fois que tu as une nouvelle cotation, il fait ce qu'on appelle une boucle. C'est-à-dire, en fait, ton algo, il s'exécute jusqu'à temps qu'il rencontre la, la, la fonction return 0. Euh, si tu as, par exemple, une dizaine d'algos... Euh, enfin le même enfin une dizaine d'algos donc sur 10 graphes différents on va passer d'un état où euh, il y a zéro cotation donc l'algo ne travaille pas euh, au, à une période où euh, bah, toutes les cotations vont commencer en même temps et donc tous les algos vont commencer à tourner après ce qu'il faut bien te rendre compte c'est que à chaque fois que tu vas voir un tick, ça va déclencher donc, le fonctionnement de l'algo et donc plus tu vas voir de tics plus tu vas avoir en fait l'algo qui va tourner, donc qui va faire des boucles, et qui va, à chaque fois qu'il va faire une boucle, eh bien, il va demander au CPU il dit, bon ben voilà, j'ai telle fonction à faire, donc ça va remonter au CPU, le CPU va répondre, etc. Donc plus tu vas avoir d'algo, plus tu vas avoir de requêtes à ton CPU, et plus il y aura de tics, plus on, les, les requêtes vont se faire de manière rapide. Ça dépend aussi de la complexité de ton algo. C'est-à-dire que si ton algo il demande beaucoup de requêtes au CPU, bah, il va consommer plus qu'un algo qui en demande peu. Et euh, il est possible, effectivement, que si tu utilises beaucoup d'algo, si tu as un processeur qui est euh, faible, avec un nombre de cœurs limité, si tu as beaucoup de plateformes ouvertes, si tu utilises des indicateurs, parce qu'un indicateur c'est pareil, qui utilise beaucoup de ressources CPU, effectivement, ça peut faire ramer ton PC. Du coup, je viens d'investir dans un SSD en espérant des gains de performance. Alors, avant de faire ça, Mario, moi, ce que je t'aurais conseillé, c'est de surveiller, tes, de surveiller tes, euh, comment dire, tes ressources et de voir justement au moment où le marché ouvre, quelle est ta ressource qui fait ramer tout ton PC parce que ça peut être ta mémoire vive, ça peut être ton processeur, ça peut être effectivement tes transferts disque dur, mais il aurait fallu regarder avant. conseil combien d'écrans honnêtement tout dépend de ce que vous faites hein. là euh, euh, moi je travaille avec quatre écrans mais euh, j'ai travaillé longtemps avec un seul écran donc ça tout dépend un peu de ça faut, faut voir avec vos besoins si vous avez besoin de scruter plusieurs sous-jacents sur plusieurs unités de temps euh, c'est pas du tout la même chose que si vous travaillez que sur le cac en UT15 par exemple si vous tradez que sur le CAC en UT15, au pire, vous avez deux écrans, c'est-à-dire un PC normal avec un écran secondaire et c'est largement suffisant. Pendant de nombreuses, pendant de nombreuses années, j'ai tradé avec un, un écran, enfin, j'étais même un PC portable sur lequel je branchais un écran secondaire. J'ai fait ça pendant des années et bon, ça se passait bien. Ouverture US. Un écran 50 pouces 4K, c'est suffisant à mon avis. Ouais, c'est pas mal déjà. Euh, open, Mario surveille le CPU et la mémoire vive ainsi que la bande passante. C'est ça qu'il faut surveiller surtout. Hein. Attendez, je regarde qu'il n'y ait pas de... Mais vous voyez, là, typiquement, quand vous ouvrez vos, vos ressources, là, je viens de l'ouvrir. Bon, ben voilà, je regarde, je vois que mon, mon niveau de, de CPU, il est à peu près à 30%. Euh, mon niveau de... Donc ça, c'est les cœurs Ensuite, il y a le niveau de RAM. On voit qu'au niveau du niveau de RAM, on, est, on a un peu plus. Hein. On doit être à environ 75%. Euh, après, là, j'ai le, le, le broadcaster qui tourne. J'ai plusieurs choses. Donc, j'ai de l'encodage vidéo en temps réel. Euh, voilà là quand on a ce genre de choses le CPU la RAM on voit qu'il y a encore de la place que ça monte pas trop bah euh, voilà vous voyez en mémoire physique j'ai 73 en unité sans, enfin en UC en CPU j'ai euh, environ 30% on voilà bah, là on voit que le PC y tourne quoi mais ça faut le surveiller euh, quand justement le, le, le dimanche euh, le dimanche soir à 23 h vous ouvrez cette fenêtre et puis vous regardez euh, comment réagit euh, le CPU la RAM euh, alors les transferts disques aussi, euh, les disques, je, je sais le faire sur Windows 10 mais je ne me rappelle plus comment on fait là sur Windows 7. Mais il faut surveiller aussi parce que des fois vos disques ils saturent. Alors par exemple si vous mettez plusieurs disques, euh, moi il y a une chose que j'ai faite euh, sur, euh, sur un de mes PC, c'est que j'ai deux disques durs, c'est-à-dire j'ai un disque dur principal et un disque dur secondaire. J'ai 8 plateformes installées, j'ai quatre plateformes sur le disque dur principal et quatre plateformes sur le disque dur secondaire. Oui, le disque a saturé à 100% pendant quelques minutes, mais comme tu l'as évoqué, j'étais gourmand en plateforme. Ouais, bah voilà. Alors après, le fait d'avoir un deuxième disque dur, essaye peut-être de, de mettre la moitié des plateformes sur un disque et l'autre moitié de l'autre. Alors le problème, c'est que quand tu installes une plateforme aussi, il y a tous les répertoires, euh, répertoires d'installation qui, réperto enfin, ouais, qui vont dans un répertoire, qui vont dans un répertoire C: Windows. Si par exemple là ici, je fais fichier euh, ouvrir le dossier des données. On va le voir ici. Voilà, là on a gilabdata, roaming, métacode, terminal et le nom du terminal. Et ça c'est dans ça c'est dans le disque C, ça, d'accord Et le problème c'est que même si votre même si votre même si votre euh, plateforme est installée sur le disque D, il va mettre une il va mettre une comment dire Ce répertoire sous le disque C Windows. Et donc ce qu'il faut c'est le L'installer en portable, c'est-à-dire en fait lui dire que les, les répertoires comme ça ils les met sur le même disque que celui sur lequel il est installé. Donc il y a une petite, je crois qu'il faut mettre une extension slash /portable, quelque chose comme ça, dans l'install le, dans le, dans et ça vous permet justement de, de diviser en fait les, les transferts que vous avez sur vos disques durs. un écran de 1, de 1 mètre super bien <laughs> est-ce qu'on pourra revisionner visionner les lives concernant la programmation je serai très pris à partir d'avril normalement oui c'est prévu que les lives soient soit disponibles en soit disponibles en replay c'est obligatoire car ta connexion maison est trop lente et instable euh, oui sur alors lente honnêtement il tout dépend ce qu'on fait il n'y a pas besoin Là, vous voyez par exemple j'ai un ping qui a 8,10 millisecondes donc, c'est pas, euh, pas non plus pourri. Alors, c'est vrai que j'ai une bonne connexion ici. Euh, c'est une connexion je me suis fait installer sur mesure pour pouvoir diffuser les lives en, en, en bonne qualité. Euh, après, c'est plus effectivement la fiabilité. Euh, c'est la redondance électrique aussi. C'est-à-dire que bah, ça arrive des fois qu'on ait des petites coupures électriques à la maison. Euh, bah, faut, ça veut dire qu'il faut avoir un onduleur, mais enfin, un onduleur que vous trouvez sur le commerce, il va vous donner une demi-heure, voire une heure pour les bons en autonomie. Si votre coupure dure plus longtemps, bah, ça veut dire qu'au bout d'un moment, votre PC va s'éteindre. Euh, et puis, effectivement, les coupures de réseau, euh, ça peut arriver quand vous avez un VPS chez un hébergeur. Déjà, un, vous êtes, euh, vous êtes en général sur un nœud. Euh, sur un nœud de connexion, et euh, vous avez des redondances, c'est-à-dire que si c'est coupé d'un côté, on va passer d'un autre côté, etc., etc. Donc on gagne en fiabilité. Le fait que les banques US aient très peu de traders par rapport au passé pour prouver qu'ils ont de bons algos. Alors, il y a énormément de choses qui passent désormais sous algo. oui, ça, mais ça c'est une notoriété publique. Intéressant à connaître cette astuce portable. Je vais creuser. Oui, bah oui, c'est. Euh, je crois même que j'ai fait un tuto là-dessus. Comment installer MT4 sur une clé USB. En fait, vous avez moyen avec cette fonction portable euh, d'installer euh, MT4 sur une clé USB. C'est-à-dire que sur la clé USB, vous, euh, vous avez les répertoires communs et les répertoires spécifiques donc, euh, à l'installation de MT4. Et en fait, il faut lancer votre exécutable avec la avec l'extension portable donc en fait ce que vous faites c'est que vous mettez un raccourci sur votre clé usb qui lance avec l'extension portable et en fait vous avez tout le lancement de votre de votre plateforme qui se fait à partir de la clé usb et ce qui est intéressant c'est que comme ça n'installe rien sur l'ordinateur hôte par exemple c'est une clé que vous pouvez garder toujours sur vous et n'importe quel PC que vous allez trouver, vous mettez votre clé, vous lancez votre exécutable, vous avez toute votre plateforme de trading qui est euh, qui est mémorisée et donc vous avez votre configuration avec vos graphiques, vos indicateurs, etc. Et euh, si vous avez euh, des outils ou si vous avez euh, si vous voulez agir sur certaines positions, vous faites ce que vous avez à faire. Une fois que vous quittez votre plateforme et que vous enlevez votre clé USB, si vous avez bien tout fait, ben normalement, euh, alors bon, par contre, faut faut être sûr qu'il n'y ait pas de virus sur le PC. Mais euh, par contre, normalement, vous n'avez rien installé sur le PC haute. Euh, Ce qui fait qu'en termes de. Euh, en terme de, Comment dire Enfin, vous ne partagez pas vos informations, quoi. J'ai perdu le terme. Donc, oui, c'est euh, quelque chose. Par exemple, si vous êtes en déplacement, le fait d'avoir toute votre, votre installation sur une clé USB, bah, c ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Alors, a priori, on part à la hausse sur l'ouverture des US. Bon, ce que je vous propose, c'est que comme l'USDCAD a priori a l'air de vouloir repartir, vous voyez, bon, c'est reparti un peu plus rapidement que ce que je pensais. Tant pis, on n'est pas rentré. Euh, non, on n'est même pas porté par une baisse du dollar. Euh, si. En fait, le dollar baisse, mais par contre, l'USDCAD monte. Bon. Euh, là, ce que je vais faire, c'est que on va prendre une petite pause. Donc, je suis désolé pour l'instant, il n'y a pas de position qui est prise hein, durant ce trading live. Mais bon, quand il n'y a pas d'opportunité, bah, on ne peut pas les inventer. Donc, ce que je vous propose, c'est une petite pause là de quelques minutes, on, et puis on revient pour voir un petit peu comment se passe euh, cette, euh, ce début de, de séance hein, du côté de Wall Street. Euh, là, pour l'instant, la configuration est telle que moi, je ne vois pas d'opportunité du tout à prendre. Voilà, on verra tout à l'heure. Euh, donc je vous propose euh, quelques minutes de pause et on se retrouve juste après pour la fin de ce trading live. A tout de suite. Allez, c'est reparti. Bon, toujours pas de, pas de position prise hein, en direct, désolé. Alors par contre, on a un petit signal de retournement ici sur la, sur la corrélation CAC-DAX. On a effectivement un DAX qui perd énormément là sur ce retournement. Honnêtement, j'aurais presque envie de, de faire un petit quelque chose là-dessus. Qu'on qu a un retournement là euh, sur les marchés, on le voit sur les indices européens, mais on le voit aussi là sur, euh, sur certaines paires de devises bon USD CAD hein, Vous voyez, quand je voulais prendre ici euh, sur cette zone là, bah, j'aurais mieux fait là, malheureusement, et maintenant trop tard. Par contre, ici, effectivement. Euh, on a un signal intéressant. Ouais, en plus c'est la première bougie, quelle heure est-il 55, on va voir dans 5 minutes si ça se confirme. Mais là le retournement est intéressant. Après on n'a pas énormément d'amplitude. 0,5, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Mais euh, quand il est confirmé ici euh, sur les graphes, c'est des signaux que j'aime bien, euh, bien travailler. Après c'est comme toutes les approches, hein, on ne peut faire que des signaux gagnants. Alors je vais voir s'il y a eu des questions durant mon absence. Deux des d'abeilles, de la poche, je vois le des cacahuètes. Bonjour José. Non, c'était juste la pause. C'est pas fini. Euh Là, c'est vrai qu'au niveau du WTI, ça se demandait s'il n'y a pas un, un coup à jouer. Après, le problème, c'est que là, le, le, le stop va être tellement loin que. Mais c'est. Ouais. c'est ça comme ça on va attendre un petit peu ouais, il y a quelque chose là sur le dax je pense qu'on va faire un long short on va shorter le dax et on va racheter un peu de, de cac divisé par 5229. C'est parfait ça. On a un très bon ratio à jouer là. On va faire du 2-11. acheter deux micros enfin on va vendre deux micros dax en achetant ouais en plus on a un bon point d'entrée ou ouais ça ça alors attendez on va attendre que ça revienne un peu parce que là du coup ça s'accélère ouais là ça va être le bon moment on va pas attendre trop Alors on a exécuté sur les deux, donc là j'ai vendu deux micro DAX et j'ai acheté 11 micro CAC. On va, espérer, on va essayer de faire une vingtaine d'euros là-dessus. Là, là c'est l'écart des spreads. On est entre 2 et 3 euros de, de spread sur ces valeurs-là. On va voir ce que ça donne. Et là, il y a peut-être un bon coup à jouer. Euh, alors, il euh, faut lier son compte ActiveTrade à un site pour voir ses perfs en graph, book ou autre. Euh, alors, folier son compte ActiveTrade à un site. Bah, euh, tu, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir le, ce qu'on appelle le mot de passe investisseur. C'est un mot de passe donc de ton compte MT4, mais qui ne donne accès au compte qu'en lecture seule. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux voir que les trades passés. C'est-à-dire la personne qui a ton compte peut ouvrir par exemple ton compte sur MT4, mais ne peut pas trader avec. C'est-à-dire la la fonction ici nouvel ordre et quand tu vas essayer ici de descendre les les, les fenêtres euh, tout sera euh, tout sera désactivé et avec ces codes donc tu mets ton numéro de code ton numéro de serveur tu mets ton mot de passe investisseur et MyFXBook va directement synchroniser tes comptes avec une courbe de résultats effectivement Ouais, la deuxième opportunité que j'avais vue, là, le WTI, je me disais que si on venait toucher le 38,2, j'allais peut-être vendre. Mais on est en train de repartir. Bon, il y a des fois ça se passe comme ça. Voilà. Bon, on a pris une petite position long short, CAC DAX. On va voir ce que ça donne. Ça m'étonnerait qu'on atteigne le, le, la vingtaine d'euros là-dessus. Hein, je vous rappelle que le repère c'est euh, 10 euros de gain par, euh, par micro DAX. Sur le lot standard. Ah oui, alors du coup après avec les, bon, on verra. Euh... Là, si on arrive à une dizaine d'euros, ça sera déjà bien, vu qu'on a manque d'amplitude un petit peu sur euh, sur l'indicateur. Voilà, ce que j'espère, c'est que le retournement va se confirmer surtout parce que là, on a l'impression que on l'a peut-être un petit peu vendu sur un, sur un peu trop d'exagération, mais bon. On va voir un petit peu comment ça se passe, comment ça évolue avec le temps. Alors Franck me dit effet total. Ah on a Total qui surperforme. Ça c'est vrai que j'ai pas trop regardé euh, ce qui faisait que, que le CAC surperformait légèrement. Effectivement, hein, on... Et notamment le, le, le cas qui est assez lourd en énergétique. Avec Total, euh, énergétique et luxe. À une époque, il y avait beaucoup plus de bancaires. Là, on est passé sur une. Euh, bon, il y a toujours de la bancaire, mais entre euh, des EDF, des Total, euh, des choses comme ça, bah, on a pas mal d'énergétique. Qui, qui rebondit et au final plus fort que le cac, alors ça, ça serait vraiment euh, pas de chance, comme on dit. Sinon en termes d'opportunité il n'y a pas grand-chose. Hein. Honnêtement euh, c'est un, euh, un petit peu désolant. Là. Alors, on n'a pas de statistiques majeures c'est un fait mais bon on a quand même du mouvement sur les marchés. Là, honnêtement je ne vois vraiment rien d'autre à faire on avait une petite porte d'entrée sur l'usdcad mais elle s'est vite refermée il ya une petite porte d'entrée sur, euh, sur le wti a priori ça n'a pas l'air de vouloir repasser sous les 56 10 donc euh, pourquoi pas Du long short franchement ça ça part moyen pas grand chose d'autre à faire Que vous ne traitez pas les paires mineurs il y a des bonnes occasions. Non, mais c'est vrai que c'est un choix que j'ai toujours fait. Pour moi, des occasions, il y en a partout. Euh, après, euh, aller sur des paires mineures où les frais sont élevés, honnêtement, ça ne ça m'attire pas du tout. Il y a déjà largement de quoi faire sur les paires majeures avec des risques. Il euh, faut savoir que le risque de slippage, par exemple, il est euh, bien supérieur sur les paires mineurs que sur les paires majeures. c'est un choix hein. quand je faisais de l'action j'allais jamais sur les small caps j'ai toujours, toujours resté sur ce, sur ce principe c'est-à-dire de vraiment de de rester sur des actifs très liquides c'est un choix totalement assumé Effectivement, bon, c'est à un moment, hein, euh, surtout quand je faisais de l'action, j'avais essayé, hein, j'avais testé quelques quelques small caps, mais alors c'est vrai que c'est très volatile. Mais euh, ce qu'on voit pas aussi, c'est que quand on se fait stopper, ben euh, le slippage qu'on peut prendre, il est, il est assez énorme. Il est assez énorme. Moi, je l'ai vécu deux trois fois. Et quand on se retrouve avec un slippage qui nous, qui nous augmente la perte de 3 ou 4% en plus que ce qu'on comptait, bah au niveau du monnaie management c'est pas... pas optimum. C'est bon, des choses que j'ai arrêtées. On me dit qu'il y a largement assez d'occasions sur des sur des actifs liquides. Sans me risquer sur des actifs qui le sont moins. Donc c'est vrai que je suis toujours resté depuis... Euh, Autant sur les actions que sur le Forex, sur des actifs les plus liquides possibles. Et c'est, à mon sens, quelque chose de très important quand je vois des gens qui débutent aller sur les small caps. D'ailleurs, à une époque, il y avait une, une espèce de mode sur les, les, les petites valorisations pharmaceutiques. Quand on voit qu'une valeur peut perdre 50% en 50 une journée, <laughs> c'est. Non, c'est bon quoi. Alors, c'est le top à acheter le CAC à 30, 5230, j'imagine. Le futur ou le cash Ça part mal le long short là je le sens pas bien je ne le sens pas bien mais honnêtement je ne vois rien d'autre à faire par peut-être shorter le wti Les stats des clients de la banque HSBC sur les paires majeures, c'est incroyable. Quand le marché monte, les traders entrent en vente et le contraire et sur les mineurs, c'est plus visible. Ah, ben ça, c'est l'esprit contrariant euh, de, de beaucoup d'investisseurs. On se demande pourquoi beaucoup d'investisseurs particuliers perdent. C'est parce que beaucoup sont contrariants, c'est-à-dire beaucoup jouent contre le marché. Il y a une histoire d'ego dans tout ça. Hein. Dans sa tête, c'est plus facile d'assumer le fait que. On veut avoir raison tout seul. Enfin, si je veux dire c'est le quand on comprend que ce qui fait justement la force d'être d'un trader, c'est d'être dans le mouvement de masse. Mais ça, ça ne donne envie à personne. Hein. Ça fait envie à personne d'être d'être dans la masse. Hein. D'accord. Le cash à 32 euh, si j'affiche le cache. Euh, le cache, le cache, le cache. On a combien d'écart avec le futur? Alors là on est à 30, 46, euh, là on est à 29, ouais 30. Oui donc on a un point et demi. D'accord. Oui donc t'es à peu près sur les points actuels quoi. J'ai peut-être envie de rentrer sur le WTI. Fort. très mitigé sur ce signal. Très mitigé. Surtout que la banque rentre des milliards. Quand ça monte, on vend, c'est normal. Je ne sais pas, pas trop si c'est normal en fait. Tu veux trader contre moi Pourquoi tu veux que je traite contre toi Tu veux faire ma contrepartie Le vote du Brexit est reporté au 29 mars. Bon. Comme ça, de toute façon, tout le monde s'en doutait. J'ai dit combien de temps cela met entre l'étude et la programmation d'une stratégie. Euh, tout dépend de l'approche. C'est difficile de répondre à une telle question. Imagine que tu as 100 milliards, tu ne peux pas faire des petits trades comme tu fais à cause de la liquidité. Tradez contre moi car je suis long WTI. Oh, j'imagine si j'avais 100 milliards hein. je pense que je serais pas là en train de faire des trading live hein, déjà Ouais, le SP, euh, à un moment, il y avait un signal de baisse, mais là, euh, tout, repart, tout repart à la hausse. Alors, par contre, les indices, euh, les indices, français, euh, enfin, les indices européens euh, sont un peu à la traîne. quand je vois le WTI Bon, je crois que c'est pas ma journée en fait. Je crois que ce n'est pas ma journée. Dites quoi avec ce track record Ça a l'air pas mal. <laughs> Effectivement. pense que ça peut faire rêver effectivement Je ne sais pas si c'est le vôtre. En tout cas, c'est pas mal. Je pense qu'il faudrait vous mettre à faire des trading live. C'est assez hésitant quand même aux US. C'est vrai qu'un drawdown de 80% ça fait peur quand même. Ça ressemble à du edging quand même. Il traite avec une stratégie, pas de Je Moi, quand je vois quand même des différences entre le. Quand je vois des choses comme ça, Et le... je me dis qu'il y a un petit quelque chose quand même là. cest à que là, en fait, on ne clôture que les positions gagnantes on laisse courir les positions perdantes avant que. Donc moi quand je vois des choses comme ça, alors c'est pas tout le temps, hein. on est d'accord, mais euh, ça pose question quand même. Surtout que c'est là, a priori, que la, que le drawdown est arrivé. Donc je suis assez d'accord qu'on ait un drawdown de 80%, on n'est pas loin de manger tout le compte. Ça fait beaucoup. Après, euh, c'est... Voilà, il y a eu du retrait de fait, il y a du capital. Alors je sais pas si c'est vraiment un compte réel. Je sais qu'il y, y a des brokers avec lesquels on peut, on peut un peu tricher là-dessus. Mais... Euh... Ouais, les expositions. Faudrait, faut, faudrait que j'en vois plus, mais il hum, n'y aurait pas cette partie-là, je dirais, euh, c'est pas mal, parce que bon, ça quoi, ça six mois. A priori, il traite plus en février. Ah, ou alors, attends. Ouais, euh, je demande à voir, parce que... Ouais. Est-ce que le compte est toujours actif déjà Du principe que les cours sont en range 70% du temps, ne serait-il pas intéressant de faire un algo qui prenne position entre deux fractales haut et bas sans service à des fractale Bah ben, ça existe hein, des stratégies comme ça. Le problème, c'est que entre être entre euh, être 70% du temps en range et la volatilité que l'on a euh, quand on est en tendance, il a le problème. Plus compliqué que ça, hein. il y a beaucoup qui ont essayé de faire ce genre de choses. Moi, je sais que euh, j'ai fait des algos qui faisaient du range euh, tout le temps. Alors, ça se passe très bien jusqu'au jour où ça se passe moins bien, quoi. C'est à dire qu'en gros, euh, on, gagne, on gagne assez peu parce que c'est le principe du range. Hein. On gagne peu par rapport à ce qu'on risque, et un jour, le risque est dépassé. Hein. Sur, toutes les, sur tout ce que j'ai programmé dans le genre, euh, tous les résultats en forme se ressemblent énormément. Là, c'est à dire Alain. Stop loss égale bricade fractal. Ouais, mais euh, ça, je demande à voir. Je demande à voir le, le track, record. enfin, je demande à voir le backtest, ne serait-ce que le backtest. Parce que, bon, je pense que tout le monde en a testé des choses comme ça, hein. mais sur le long terme, ça, ça tient pas la route. Hein. du long short euh, on a retrouvé notre euh, on est quasiment sur la perte de départ hein, qui correspond aux deux spreads entre tendance et range contre rien oui tout à fait c'est tout l'équilibre à trouver alors moi l'équilibre que j'ai trouvé c'est que j'utilise euh, les deux stratégies c'est à dire une stratégie de range et une stratégie de, de breakout et je trouve un équilibre entre les deux c'est vraiment le c'est vraiment comme ça que je vois le marché Le fait d'avoir deux stratégies, ça pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est une constante. Hein. C'est-à-dire quand je faisais les actions euh, sur une optique PEA, j'appliquais déjà la même méthode, euh, sauf que euh, on n'était pas sur une histoire de volatilité, on était sur une histoire de tendance. Euh, là, vous voyez sur le Forex, par du principe que le marché est soit peu volatile, soit volatile, ça a l'air comme ça de, de paraître euh, stupide, la manière dont c'est dit, mais c'est quasiment ça. Le but est d'avoir les deux stratégies qui tournent toujours en parallèle et qui se s'autocompensent mutuellement. Ce qui fait que quand le, le marché est peu volatile, bah les stratégies contrariantes font de l'argent et euh, celles qui jouent le breakout en général en perdent. Et puis quand le marché est très volatile, eh c'est les algos qui font du breakout qui gagnent de l'argent et les algos contrariants qui en perdent. Ce qu'il faut toujours, c'est que la stratégie qui perd de l'argent perde moins que ce que gagne l'autre. C'est tout. Une fois qu'on a réussi à faire ça, ça fonctionne. Et en plus, vous avez une stratégie qui va s'auto-adapter au marché en fonction si celui-ci est volatile ou pas. C'est l'intérêt en fait, c'est d'avoir quelque chose qui s'adapte. J'ai déjà fait plus et je me suis planté à la fin, le plus difficile de tenir sur la durée. Rien, c'est bien orange, mais il faut être protégé quand ça part en tendance. Oui, alors moi j'ai pris le, le parti de jouer les deux toujours en simultané. Ah, ça n'a pas que des avantages non plus. Hein. fait dallas Manufacturier, pareil pour moi. Je sais pas de quoi vous parlez par contre. D'accord. Il ouais, n'y avait pas grand chose à faire. Hein. Ah. C'est là le seul vraiment le gros. Là où je regrette le plus, c'est sur l'USDCAD, parce qu'on l'avait bien senti, j'avais bien senti qu'on ne reviendrait pas sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais je m'attendais à une stabilisation ici et en fait, on n'est pas revenu, on est reparti directement à la hausse. C'est vraiment le, le trade sur lequel j'ai un petit peu de, j'ai un petit peu de, de regret, mais bon, c'était compliqué. Avez-vous intégré ces deux stratégies dans le même E? ah, ah. Là, on commence à vouloir connaître les secrets là. Je pense que je l'ai pas fait, mais je pense que si je l'avais fait, ça n'aurait pas changé grand chose. Allez on s'approche doucement de la fin de ce trading live. Il ne reste pas grand, franchement il y a, Je suis désolé mais il n'y a rien à faire. Même j'hésitais avec le WTI, je ne l'ai pas pris non plus. Il y a des jours comme ça, alors c'est. Voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles aussi je suis passé à l'algo. C'est que mentalement des fois c'est difficile. De se dire tiens, là j'ai une occasion, qu'est-ce que je fais, j'y vais, j'y vais pas. Et puis quand on décide de ne pas y aller, quand on décide de pas y aller, bah ben, ça, ça gagne. Et puis on va aller sur autre chose sur lequel on est bien décidé, et puis ça perd. Ça, c'est assez dur à supporter. Ouais, c'est Lynn qui nous dit qu'elle qu ne fait rien en ce moment. Des périodes. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que si on ne sent pas le, la position, il ne faut pas partir dedans, tout simplement. Gilles, les splits d'actions qui peuvent gêner la performance, c'est décidé lors du AG ou à tout moment ça peut arriver. Normalement un split d'action, euh, ça, enfin, ça ne gêne en rien. Hein. Imaginons euh, si tu as une action qui est... Euh, en général un split d'action, même si tu es acheteur, ça peut être intéressant parce que imaginons par exemple que tu as euh, une action qui coûte, euh, je sais pas, moi j'ai connu le cas avec une action qui faisait un peu plus de 1000 euros. On dit bah, l'action, on va la splitter, euh, on, va la, on va la couper en 100 par exemple. Donc au lieu de 1000 euros, elle va coûter 10 euros. Euh, bah, ça va faire que si tu avais 3 actions par exemple, bah, euh, tu en auras tout simplement 300. Donc en termes monétaires, ça ne changera rien. Par contre, du coup, peut-être que beaucoup plus de petits investisseurs vont pouvoir rentrer sur ce titre, parce que rentrer sur un titre à à 1000 euros, bah, c'est pas évident en termes de monnaie management pour équilibrer un petit peu ses expositions. Alors que rentrer sur un titre à 10 euros, c'est peut-être plus facile, surtout si le titre a du, a du potentiel. Et pour moi, ça peut un peu favoriser, alors c'est artificiel, hein, mais ça peut plutôt favoriser une hausse. D'ailleurs, c'est ce qui est recherché en général quand il y a un split. Hein. Mais pour moi, c'est comme, euh, comme les versements de dividendes. Je me rappelle quand je faisais de l'action, la première fois que j'ai eu un dividende, je crois que c'était sur. Euh... Non, pas pour un versement de dividendes, pour une augmentation de capital. Avec les, les DPS. En fait, un, un jour, je regarde. Un matin, à l'ouverture, je regarde. Euh, évolution de mon compte et je vois une grosse perte sur, euh, sur société générale alors que le marché était plutôt légèrement haussier etc. Puis je vois 2 ou 3% de perte sur société générale dès l'ouverture. Qu'est-ce que c'est que ça Et en fait je trouve donc comme info qu'il y, qu y a une augmentation de prêt, une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription avec une parité donc etc. etc. Et à l'époque je ne savais pas trop ce que c'était. Et euh, ça surprend, mais en fait on se rend compte que financièrement, c'est voilà, on n'est ni gagnant ni perdant. Euh, on peut revendre les DPS. En plus c'est un truc qui est assez recherché en général parce que tout le monde essaye de faire sa parité. Et euh, mais effectivement on a l'impression qu'on qu perd de l'argent. Moi je, en général je ne souscrivais pas aux augmentations de capital parce qu'en général c'était assez dilutif. Donc n'était pas des choses qui m'intéressaient trop. Mais euh, sur les dividendes aussi, euh, des fois, euh, vous savez, quand le dividende il est versé et puis qu'il arrive sur le compte 2-3 euh, jours après, bah, c'est perturbant quoi de se dire, tiens, j'ai perdu tout ça sur une action, comment ça se fait, etc. Bon. Alors ce qui est étonnant, c'est que le long short, il prend un peu, mais euh, on ne voit pas la variation sur le... Je crois que j'ai un problème d'échelle, en fait. Je crois qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose en décorrélation et que... Bon, on va voir comment ça évolue. Euh... Alors oui, en général, c'est décidé en assemblée générale, effectivement. Euh... Il y a des reverse split où tu ne peux plus rien avoir. C'est ça, le problème. Mais en général, tu es compensé, non Allez, je suis sorti, petit 0,15. L'euro dollar, je ne suis pas sûr qu'il descende sur du weekly. Mais m'a de demande une remontée. Alors, honnêtement, moi, les analyses sur l'hebdomadaire, en analyse technique, euh, j'ai un peu de mal. Pour moi, c'est trop fondamental pour qu'on puisse appliquer une analyse technique. Moi, sur du weekly, franchement, c'est la limite. Hein. J'en fais un petit peu d'analyse technique hebdomadaire, notamment sur le CAC en fin de semaine. Mais honnêtement, quand on commence à toucher l'hebdomadaire, le mensuel, pour moi, c'est du il faut que c'est le fondamental qui prime. Alors, lors, de lors du détachement ou de l'augmentation, il peut y avoir un abonnement très intéressant. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en en fait, le droit préférentiel de souscription, euh, il, permet de, il permet de souscrire aux nouvelles actions à un prix préférentiel. Mais en fait, ce que l'on regarde, c'est que le prix préférentiel, c'est-à-dire la valeur qui correspond donc au DPS, c'est-à-dire que le DPS... Il est là pour vous permettre de, de... Par exemple, bon, je vais donner une, une idée. Si vous avez 10 actions, vous avez, vous avez possibilité de souscrire à une action supplémentaire plus 10 DPS. En fait, l'action supplémentaire, ça vous la fait payer moins cher parce que vous avez une réduction qui correspond aux DPS que, qui, vous, qui vous ont qui vous sont octroyés, mais en fait quand vous regardez bien ce DPS, il est déduit de la valeur que vous aviez avant euh, au niveau de l'action. Donc quelque part, pour moi il y a quand même une part de trompe-l'œil hein, dans ce, dans cette histoire. Euh, moi en général ce que j'essaie de faire, ce que j'essayais de faire parce que je le fais plus maintenant, euh, j'avais quand même une, un petit mouvement de spéculation sur le DPS pour faire la parité. C'est-à-dire j'en achetais beaucoup et j'en revendais beaucoup. Et en fait, je gardais juste ce qu'il me fallait pour faire la parité. Je souscrivais à l'augmentation de capital et ensuite j'en vendais une partie, tout de suite, en fait. DPS, ça t'oblige à investir. Euh, je comprends pas bien, José. Oui, le reverse split, c'est la grosse arnaque, surtout quand un an après ils font une nouvelle augmentation de capital. Oui. Augmentation de capital, de toute façon, c'est jamais très très bon. Moi je sais que bon. Ben, le DPS, ça t'oblige à investir de nouveau, sauf que euh, tu peux aussi tous les revendre. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que je, quand je le voulais revendre, je le revendais en deux fois parce que en général comme j'avais un, un coût de courtage minimum sur le, indexé sur la valeur d'un ordre d'achat ou d'un ordre de vente ce que je faisais c'est que par exemple si je voulais tout vendre et eh ben euh, je sais pas si par exemple j'en avais 10 à 1 euro, eh ben en fait j'en achetais euh, euh, j'en je sais pas à 1000 à 1 euro et je revendais mes 1010 quoi essayé d'absorber euh, le, le, le coût du courtage en fait, dans la petite plus-value parce qu'il y a un petit effet de levier dans l'histoire. Et moi voilà, c'est comme ça que je faisais. Après, j'ai eu de la chance peut-être. Je ne me suis jamais euh, parce que bon, c'est un, un peu, dangereux quand même comme approche. Et j'ai jamais, jamais pris de bouillon comme ça sur, un, sur une, euh, soit sur une parité, soit sur un DPS que je voulais pas, euh, que, auquel je voulais me souscrire. Un rachat d'actions décidé en AG, en général ça fait monter le cours donc c'est pas très très grave. Tu as les actions, tu peux vendre les DPS pour perdre moins, mais tu vas. Oui, bien sûr. De toute façon, quand il y a une augmentation de capital, c'est que les choses vont pas très bien et quelque part, il y a toujours une petite perte. Hein. Bah, malheureusement, je crois que ça aurait été une séance pas très drôle à regarder, en tout cas. Bon, on a parlé de 2-3 sujets intéressants, j'espère que ça vous a intéressé. Voilà, donc je vous rappelle hein, si, euh, si ce live vous a plu, bah, je vous invite à, à liker. Et puis rien de tel pour supporter la chaîne et donc ces Trading Live que de les partager et de les faire découvrir à d'autres. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez souscrire à la chaîne et aux notifications il n'y a pas de spam. En tout cas, ça ne sera pas par moi. Je pense que ceux qui sont abonnés depuis quelques années à Boursicoté.com ont, ont, ont dû remarquer que je ne spamme jamais. Je ne spamme jamais mes abonnés. Donc, là au programme ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va aller voir un petit peu euh, ce que fait ce long short. Là, il part dans de bonnes dispositions. Euh, la f somme ici euh, varie tout doucement. On va voir ce que ça donne. Mais a priori, ça part dans le bon sens. Donc, bon. Je pense qu'il y aura moyen de faire un, un petit bénéfice là-dessus. Bon, ça ne sera pas énorme hein, ça sera quelques euros. Mais encore une fois, comme je le dis, avec un, un compte de ce montant, on euh, ne peut pas faire des miracles. Hein. On le faisait avec, des, avec un capital plus, plus élevé, mais le but aussi c'est de vous montrer qu'avec un petit compte, justement, les limites que l'on a. On avait vu hein, la dernière fois qu'un signal sur le, je crois que c'était sur le Dax, on n'avait pas, pas pu le prendre en, en position fractionnée, tout simplement parce qu'on n'avait pas de cette couverture pour diviser l'exposition par deux, puisque l'exposition de base était à un micro. Alors, ça va peut-être changer justement avec le nouveau système d'exposition de, que va nous proposer ActiveTrade à partir de. Je crois que c'est à partir de la semaine prochaine. On fera le point là-dessus d'ailleurs. Alors, sinon, oui, je voulais vous prévenir aussi que vendredi il n'y aura pas de trading live. Euh, tout simplement parce que je ne serai pas disponible. Donc, on se revoit lundi prochain. Voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Vendredi effectivement ça sera vacances. Ouais, L'euro-dollar qui part bien à la baisse ça va aider les indices européens à... Ouais, on a un retournement là, on avait une petite dynamique haussière, on est en train de se retourner si on casse ici ce point bas. Si, vous allez maintenir rigueur. Bon, vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil avec moi. <laughs> Ouais, le cac se réveille. Bon, ah bah ça c'est tout bon. Hein. Moi, ce que je voudrais là, c'est que le cac monte. Histoire. <coughs> pardon. Histoire que le long short parte dans le bon sens. Allez, bon, bah écoutez, de toute façon, on fera le point euh, la semaine prochaine. Bon, bah désolé un petit peu pour ce trading live où, euh, bah effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose. Là, on a un long short en cours. Bon, je ne pense pas qu'on aille chercher énormément de, de, de potentiel. Euh, donc, effectivement, vendredi, je ne pourrai pas vous présenter le, le trading live. Hein. Je serai indisponible. Euh, je vous souhaite donc une bonne semaine. Pour ceux qui sont en vacances, bah, profitez-en pour vous détendre un petit peu loin des écrans. Euh, prochain trading live, donc lundi prochain, à partir de, de 14h. En attendant, je vous souhaite donc euh, bah, bonne chance dans vos trades. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, euh, de souscrire à la chaîne, de vous abonner. Vous serez ainsi prévenu de chaque nouvelle analyse et de, dès le début d'un nouveau trading live. Hein. Vous avez vu que maintenant, dans les choix, vous pouvez choisir justement à quoi vous voulez être notifié. C'est bien pratique d'ailleurs, cette, euh, cette nouvelle petite fonctionnalité que nous offre, euh, que nous offre YouTube. Euh, donc voilà comme je vous l'indiquais hein, likez, abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse de, de suivre d'autres trading live c'est gratuit, c'est en accès libre on ne vous demande pas d'inscription on ne vous demande pas de donner votre mail c'est la liberté totale donc surtout partagez bien ces, ces trading live passez euh, un bon, une bonne semaine attention sur les marchés soyez prudent et donc on se retrouve lundi prochain à partir de 14h je lis les dernières euh, les dernières interventions, il y a du bonjour, merci, merci, bonne semaine, merci à lundi, bonnes vacances. Ok, bon ben merci à vous tous en tout cas pour votre participation, c'est toujours aussi agréable d'animer ces trading live en votre compagnie. À très bientôt donc sur la chaîne boursicoté.com, bon trade à tous.